Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 13 septembre 2020. Au menu de cette édition, les funérailles du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince récemment assassiné en son domicile à Pèlerin 5 seront chantées le 18 septembre prochain à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Collaboration internationale sans influence mafieuse et intégration de la diaspora. Deux principes nécessaires au changement souhaité. C'est le thème de la conférence qui sera présentée le samedi 19 septembre prochain par le docteur Jean Fils-Aimé. Le chapitre Haitian Leadership Forum de Brooklyn a organisé le samedi 5 septembre écoulé sa deuxième distribution de masques dans les locaux de City Health à Brooklyn. Comme invité ce matin, nous aurons le docteur Yvan Duchesne, le docteur Jean-Eddy Saint-Paul, le professeur James Salvador, maître Marc Jean-Louis et le docteur Daniel Desrivières. Yeah.
Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, il faut m'ouvrir la télévision pour regarder Haïti première classe, number one. Bon, dans le coin politique américain, nous, maintenant, avec reçu le Dr. Daniel Leguivière, Dr. Leguivière, et qui j'en suis venu passer dans la politique là. Son semaine, on a dit côté que politique là, encore une fois, chaque jour, la température monte plus haut. En ce qui concerne attaque, chaque jour, il y a une attaque. Non, attaque, qui attaque qui fait sous Biden? Hein? Bon, en général, on a dit que le président continue à attaquer le groupe démocratique en tant que monde qui a promoté et monde qui peut craser ce suburbio. Par exemple, ça veut dire, et si vous avez besoin d'interprétation, ça veut dire dans le langage politique, ça veut dire sous vous pour Biden, c'est comme si vous votez pour mon noir. Arrivé dans une zone de la caillou et sous ces blancs, dans une zone blanche, ça veut dire qu'il y a une grosse chance que les gens noirs non seulement les pour entrer et pour mener des crimes, mais tout y a mener low housing. Ça, c'est attaque sur Biden. Ça, c'est attaque qui fait sous président Trump. On a dit sous président Trump, lui-même, il y a un attaque, c'est lui-même qui fait pour attaquer sous tête pâle. Deuxièmement, on a dit groupe militaire, quel que soit si on jouet ou pas en jouet, quel que soit si politique ou pas, ils n'ont pas tout à fait accepté le fait que l'exécutif là, il y a plusieurs monde qui corroboraient que monsieur était utilisé mot qui pas décrit militaire, surtout le monde qui est mort. Bon, en façon qui est positive. Oui, mais ça veut dire que ça attaque la démocratie vers le président. Bon, pas oublier, parole qu'il dit tout, parce que. Ou bien un groupe qui est l'Atlantique, qui vient avec mon article, tout ça. Et puis il y a plusieurs autres groupes qui essaient de vérifier pour si ça dit sur l'article, si ça est vrai. Inclus Fox News, qui a tendance à supporter le président. Même mon Fox News, j'ai deux mouns qui étaient là qui disent oui, il paraît que ça me s'était dit assez vrai. Et ils ont toujours dit longue réaction, toujours bonne réaction. Pas oublier le fait que monsieur était attaqué, John Martin, un héros national militaire. Sauf ça déjà, précède, comment sentiment mon pour accepter l'explication ça. Sauf si bien, on a dit une attaque qui prend traction, non c'est maintenant c'est attaque ça. Ok, donc attaque ça, on dit j'ai pesé dur. Attaque ça pesé très dur au point que monsieur commence à réagir, rebondir, etc. Ok, non, et qui, Jean, ça pour refléter dans le polio exactement, et dans qui sens ça. Et changer mine ou bien affecter l'électorat? Sondage est toujours même genre. Et Biden toujours devant dans plusieurs sondages nationaux. Dans ça qu'il considère État, swing state, Wisconsin, Pennsylvania, Florida, etc. Toujours même genre, Biden devant. Je l'ai dit. Dans Florida, par en pile. Texas, il y a Ted Cruz qui même commence à plaindre, qui dit. Puis le président prend Texas à la légère. Son bar qui est très, il faut considérer par le savoir parce que Texas, c'est un État qui rouge pour les républicains. Et ce n'est pas un État que les républicains supposent dépenser l'argent pour même gagner. Comment ça me dit, pour être même concerné de Texas. Et voilà que Ted Cruz a dit, monsieur, pas prendre Texas à la légère. Il avait dit que l'électorat de Texas semble abîmer son monsieur. Bon, il paraît que le sondage mettait Biden plus près que Biden supposé au Texas. Donc, si l'élection t'a fait jeudi à là, Biden est président. Si l'élection t'a fait jeudi, que n'a fait chose à là, Biden est président, d'après toute analyse. Non, qui est président t'a fait là pour nous renverser cette situation? Bon, en effet, on doit dire que c'est une question de changer de caractère, changer de parole, parce que jusqu'à présent, en pile non, encore une fois, si vous parlez de sondage, ça que monsieur a essayé pour monter, c'est question de safety. Il a parlé de soumettre mon noir, mais parti ça jusqu'en 5e ou 6e, non, ça qui est important,
pour le monde dans le pays ici. Ou mais ça qui est plus important pour nous, c'est l'économie. C'est corona. Non, non, coronavirus là. C'est le plus important? Oui. Pour le présent moment, c'est qui ce coronavirus là? Mais si c'est corona, je ne suis pas la donne. Non, je ne suis pas la donne. Parce que 60 et plus. Le monde sondé dit que c'est Biden qui a fait un job extraordinaire sur corona, c'est le président. Wow. Ça n'est pas bon pour l'exécutif là. Les sondages l'ont fait sur l'économie, longtemps, c'était à 6, 7, 8% devant Biden. Mm-hmm. On a mis seulement 1% de points de différence. Wow. Avec vous Biden, savez que M. Barrett est en Kemila. 48 pour M., 47 pour Biden, qui est dans la limite. On va dire, donc, on commence à penser que les papes font une grande différence si Biden est président en termes de assiette manger la caillou ou pouvez manger. Jou que n'a parlé là, Kounia là, sondage l'a montré, Biden à 48 en ce qui concerne l'économie. Président à 48, Biden à 47, en ce qui concerne le monde qui est capable de manager l'économie, j'en lié, je dis, à mais 60% ou plus de monde sondé, dit que Biden a fait un plus bon job, si c'est lui-même qui était président, pourquoi on a fait ça? Non, tendance, c'est que c'est Biden qui s'en sent l'air, et direction, c'est que je vais parler là, ça veut dire que M. Apkem est là. Et qui sa président a fait comme Dieu pour reverser cette situation et question ça? Bon, j'aime d'où là, c'est une question de caractère qu'a parlé. Bon, forme de ne pas sous-estimer habilité président pour le vendre en série de situations. Quand il y a la map là, la PC vend pays à sous safety et à l'acheter. Mais on ne sait pas qui ça a passé, qui ça a fait. Comment on a le doula? Qui a fait événement? Qui a fait événement? Qui a fait caractère d'ici le monde? Bon, encore une fois. Politique, c'est politique. Apparence ou réalité, quel que soit ça lié, hein? Si monsieur joint un sujet côté que la PC vend, ou pas oublier. En 2016, là que monsieur tape 20 pays, émigrants, c'est volé, c'est repis, bah, comme ça, vraiment, bah, qui démontre ça, rentrer, si le président va bouger tout à l'heure, les gens de bah, comme ça. Il va venir, après, nous voulons pour ça. Vous m'entendez de là? Monsieur a essayé d'utiliser même rhétorique là, mais pour une raison ou pour l'autre, pour le présent moment, ça pas plus intéressé personne. Le manger. Les beaucoup dans sens ça. Peut-être plus devant qu'à marcher m'a pas donc on gambe la n'a dit refin associé sur un problème médical capable d'ou relil cour de New York Music Connecticut téléphone ni c'est 609-445-426. Donc on a dit merci. Comme d'habitude. Allô tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon dis une parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h. Nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube. Cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toutes les informations ou besoin. Ça va passer dans la communauté. Ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Matin après combien de temps là depuis qu'on a commencé trois jours moi ben j'ai donc rapidement là monsieur tombé sur nous là parce que il y a pile information qui a tombé là pour nous cher yo et peut-être exactement qui ça nous t'a pas mon matin là comme aspect important well et il y a un paquet d'ailleurs de cap parler de yo mais avant faut me ta saluer et téléspectateurs avec téléspectatrices parce que ça fait longtemps là ouais on petit masque maintenant même ouais. Bien joué de précaution, parce que si ça vient à la mode, on est là. Même pas qu'à parler avec gros public ça, bel public ça, et puis on a pris masse dans la figure. Hein? Donc, vous savez, exactement. Il va pas comprendre cause pour parler là. Now, qui va être important, on est là de connaître là, peut-être nous, septembre, commencer septembre 2020. Ouais, premier bagage qui gagne, c'est que, et même si vous avez un coronavirus, même si vous que mon ne parle pas travail, mais immigration pas traité. Et abdomen. Premier gros changement yo fait, c'est pour mon asile politique yo. Bon gros changement fait à partir de 25 août qui se passe là. Gros changement ça c'est plus vite monde qui victime madame, c'est monde qui peut appliquer pour asile politique. Gros point changement ça. Un, c'est que là où monde te qu'on applique pour asile politique longtemps, ou voyez application aller et puis autant 6 mois passé, 5 mois passé, 180 jours et puis après ça on applique pour permis de travail. Même si on prend 10 ans pour une interview à Baou, ça c'est problème pas yo. Mais après 5 mois, ça veut dire 180 jours, ou gain droit, excusez-moi, après 150 jours, excusez-moi, ou gain droit, gain permis de travail. Et bien, à partir de 25 août qui se passe là, FIFI, NINI, par exemple, comme ça, c'est pourtant 365 jours, l'on finit soumettre l'application à zéro politique,
pour capable appliquer pour permis de travail. OK, non, par exemple mon qui vient dans pays qui appliqué pour asile politique. Normalement son cap pour il est beaucoup clair. Pour faire 365 jours, elle dit que mon ça qui doit rester dans pays et qui statue mon ça entre le pays avec 365 jours. C'est pas 365 jours ça m'a fait. L'a fait 360 les filles on dit que mon a rentré. Jeudi, l'entrée. On dit mon entrée 2 janvier 2020. OK. Mon a décidé pour l'appliquer pour asile politique 2 mars 2020. Ça veut dire que mon a 90 jours dans le pays. Comment ça prend comme ça? Quand on a l'air, mon a envoyé l'application à aller 2 mars, l'attend jusqu'à 3 mars 2021 pour l'appliquer pour permis de travail. Voyez l'application permis de travail. Le point, c'est que de 2 mars 2020 jusqu'à 3 mars 2021. Qui ça tu m'en as? Mon sa gen la demande. Non, li gen demande de asile politique qui en cours. Mais il pa gen droit fond, il pa gen droit pour le travail dans le pays. Wow. Donc, il vient faire que li passe de 150 jours à 150 jours jusqu'à 365 jours. Un an. Après un an, on y a là, on peut l'appliquer pour lui. Il peut le prendre même 3, 4, 5 mois pour voir permis de travail là-bas. Ça veut dire que à partir de 25 août qui se passe là, l'homme appliqué pour asile politique. Ou bien moins, au moins minimum 1 an et demi pour le temps avant pour jouer un permis de travail. Question que vous connaissez là, il n'y a pas de parler, mais le journaliste n'a pas de parler. Comment on peut faire vivre dans le pays ça, dans le pays de Tonton Sam, dans le pays de Monsieur Promosso, pour faire 1 an et demi, il n'y a pas de permis pour le travail. Qu'est-ce que ça va manger? Madame, t'as connu? Donc, ça veut ça n'a pas évoqué maintenant là pour porter information. Est-ce que vous voulez ça, côté chose égrité, côté l'État pensé que. Ouais, si vous n'avez pas demandé asile politique, c'est pour dégager, parce que c'est pas payé avec vous. Alors, il pas moi qui dis ça, non? C'est dans la logique, monde qui passe loi. Sauf qu'à quoi vous venez là, vous venez demander, donc, n'a pas où l'ennemi pour. Donc, nous avons fait 6 mois. On n'a pas fait 6 mois, on a fait 18 mois. Ok, par exemple, les gens qui ont appliqué 25 août là, ils ont quoi? Non, il n'y a pas de problème. Avant, toute application qu'on t'est venu avant 25 août, nous n'avons pas de problème. Si vous avez un permis de travail, chacun nous avons renouvelé, vous avez toujours renouvelé. Mesure vient effective à partir de 25 août. Au monde qui va soumettre l'application, qui soumet l'application après le 25 août 2020. Deuxième gros changement encore qui frappe dans le cœur de nous-mêmes, communauté haïtienne, c'est que, plus fort, nous avons venu qui m'a dit asile politique. C'est monde qui passait sous frontière là et puis qui dit qu'il est sous Brésil. Pas comme les autres. Parce que ça, ici, nous sommes créole, parler créole, tendez, créole, comprendre. Nous sommes débarqués là. Il va venir avec visa. Eh bien, un gros changement fait sous loi, sous pour tout. À partir de 25 août qui se passe là, eh bien, si c'est dans condition sans entrée, sans visa, ça n'est pas IWIA, Entry Without Inspection, et que vous venez demander asile politique, ou pas d'entrer avec visa, ou pas d'un droit, j'ai un permis de travail du tout. Donc ça veut dire pour nous demander asile politique, il faut entrer sur un visa visiteur. Ou pas demander asile politique, là, si vous entrez sans visa, non pas d'un permis de travail tout pendant que l'application là en cours. Waouh! Donc ça pique grave. Pour ça, c'est bon, on est serré net. Et troisième gros changement qui vient fait, c'est pour moun. Vous faites mentionner le groupe ça, moun ça tout à l'heure. Moun qui te gagne déjà. Et puis, pour que vous ayez rendez-vous, vous pouvez vous faire un pour vous, etc. Vous adaptez. Et bien, si vous avez une arrestation dans le record, l'administration qui l'a dit comme ça, à partir du moment où l'administration vient commettre un crime, et puis vous allez devant le tribunal, vous plaidez coupable, vous êtes coupable pour crime, même si son misdiminalier, FIFI, NINI, pas un permis de travail. Par exemple, disposition, ça vous dit là, trois gros mesures. Est-ce qu'on change l'administration de République démocratique éventuellement, capable de porter aucun changement dans en fait, disposition ça? Certainement. On doit l'administration qui va éliminer, et puis le passé bien légèrement la donne, il dit non, moi, tirer provision ça, moi, tirer provision ça, ou sinon l'entrée arrêtée. Parce qu'il faut qu'on ait. Mesure administrative, ça, c'est pas mesure que le Congrès apprend. C'est mesure branche exécutive la prend. Donc, si on branche exécutive la prend, il dit tout le monde prend demain 6h du matin, en guise de 6h du soir, on l'autre branche exécutive la prend. L'autre exécutif qui va venir, il dit non. Moi, avec Céline, moi, dit non. Tout le monde prend demain à 10h du soir, en guise de 10h du matin. Donc, mon avis, c'est que nous avons jeté de l'eau, ça a changé de l'eau. Ouais, ça a prié, ça a jeté de l'eau, parole créole. Parole créole, t'as des créoles, comprends. Donc maintenant, ça c'est parti ça là, donc la mine avec on l'autre sujet. Ça là.
Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offre un pile service tel que rachis dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Moz Tax Travel Services campé jam pour résoudre problème taxe avec voyage communautaire. Li planifie toute activité vacances qui va monter avion, bus, train ou sinon bateau. Saison taxa, li gen comptable qualifié à computer bien programmé pour faire electronic filing et faut joindre refund nous sans qu'elle saute. Mostak Travel Services 2281 Cherche Avenue Brooklyn New York, téléphone 718-684-3696. Joël Bonomet et Elisabeth Nouak Shipping ont une ligne spéciale qui débarque chaque deux semaines dans la coupe Port-au-Prince. Ça veut dire bateau gros estomac a débarqué ni Saint-Marc ni Port-au-Prince. Seulement pas oublier mandé qui côté voulait aller. Si c'est Saint-Marc ou bien si c'est Port-au-Prince. C'est toujours le même numéro de téléphone, non? 201-435-1570. L'actualité est dominée par la mort et bateau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Montferrier Dorval. Donc, M. Dorval est actuellement là ce maintenant, c'est pour la funéraille monsieur, mais cependant, je vous dis, hein, droit constitutionnel de la nationalité que monsieur écrit, et c'est livre ça que Luciano voulait présenter le matin. Luciano. Je vous dis, pour une deuxième fois, la présenter où livre du docteur Montferrier Dorval, le bâtonnier des avocats du barreau de Port-au-Prince. Maître Montferrier Dorval, comme nous tous nous connaissons, l'y passer à l'Orient éternel, dans des conditions vraiment déplorables. Eh bien, Maître Montferrier Dorval, c'est un avocat, il s'était fait étudier à Marseille, quand il était doctoral, il enseignait dans l'université en Haïti, dans le barreau de Port-au-Prince. Eh bien, Maître Montferrier Dorval, c'était un monde qui n'a jamais mis de l'eau dans la bouche. Il a parlé de constitution, il a parlé de droit et règlement, la loi. Qui ça, la loi prescrit? C'est un monde qui respectait à l'alerte constitution 1987 ans. Et plus précisément, soit fait droit nationalité. Quel que soit côté que on vive dans la diaspora, si que ou pas de chance, l'élite ça, droit constitutionnel de la nationalité, eh bien, je ne veux dire ou bien intérêt pour gagner la carrière, pour gagner le document, et à apprendre qui ça, mais mon fils Dorval lui-même, lui dit sous droit international. Eh bien, dans ce moment-là, Cap Vignan, il y a quelqu'un pour faire chanter funérailles de Montferrier Dorval. C'est avec un peu de regret qu'on a regardé qui gens intellectuels nous ont dans le pays, il a éliminé l'un après l'autre. Mais en position que met Montferrier Dorval Rivéan, il faut qu'un criminel a réfléchi doublement avant même que ou arrive sous lit. Et dans le milieu, côté Montferrier Dorval, t'as vive, faut que je dise ça tout, avant même que Montferrier Dorval t'as vive dans PLR5, c'est un monde que je connais pas mal très bien avant même que je quitte Haïti, Père Dorval, qui t'as vive dans Bisoton 53, côté que moi-même, je t'ai grandi comme un jeune garçon. Et que l'apprendre, l'éduquer, l'former l'autre jeune en Haïti. Et du fait que l'y parler ça qui est vrai, eh bien, nous retirer dans le monde, nous retirer dans la société. Jeunes haïtiens, jeunes avocats, avocates haïtiens qui a grandi, je vous l'ai dit, nous gagnons pour nous prendre responsabilité nous en main. Ou pas gagner yon lot, met Montferrier Dorval, qui passait inaperçu comme ça, en babal assassin. Nous pas accuser personne, mais li le temps dans le pays, pour phrase ça, après virgulant, pour le bon l'autre phrase, pour bon point, pour nous, au lieu de yon phrase, pour venir un paragraphe, pour venir un document légal, cette affaire de l'enquête se poursuit.
militants pour un dossier qui créait et mettait criminels dans la prison. Noël avec Jean-Dominique. Noël avec la famille Mézier. Noël avec des négociants qui ont des boutiques, qui ont des business qui tombaient en babal assassin. Eh bien, criminels, il a plaité quoi. Nadjo, prends le son et fais à ce que l'homme, mettre mon fils d'Oval, n'est pas passé en vain. Et semaine prochaine, à Cap-Vini, à bien funérailles, Haïti Première Classe a fait tout le monde possible pour le porter image pour nous à distance. Comme ça, on est capable de saluer maintenant pour nous dire un dernier au revoir. C'est ça que nous avons pour nous, je vous dis, dans le coin du livre et de la culture. Et là, dit tout le monde, gardez le sourire et surtout, surtout, l'esprit de partage. Haïti Première Classe, Kembela. Maintenant, nous avons plaisir de vous recevoir avec nous, Serge Valcourt. Donc, monsieur fait préparer recueil poème ça, et titre c'est Serge's Poetic Wisdom. Serge Valcourt déjà écrit, d'après ça, il dit nous, 1000 poèmes, mais ça a gagné seulement 120 de la donne. Et pour avoir une idée, donc maintenant nous avec nous, poète là même. Et Serge, ça m'a dit pour un homme qui a écrit 1000 poèmes. Durant l'année 2014, c'était fête de mai, non, Valentine's. Moi, je dis, ah, Anissa m'a fait bailler différemment. Mm-hmm. Au lieu de lâcher les fleurs pour lui, tu m'écris le lit. Et puis, m'écris en premier lit, moi, bali, moi, bali en deuxième. Et puis, il dit, mais attends, Rita. Il dit, ça, son don, bon Dieu, pardon, et avec lui, on a fait l'argent. Ah bon? Ça veut dire que en 2014, vous commencez à écrire alors? En 2004, nous, on a commencé à écrire déjà. Même pas de poids, dès qu'on te bat à la légère, on voit, on dit, ah, mais écrit comme ça, point pour amusement. Mm-hmm. Même pas de pensée que je t'ai privé là. Et puis, même année, ça a tout, ça a fait, on prend du mois, fête de Ami de Valentine, c'est en février. Mm-hmm. Bon, de février à juin, je me fais ça, me garde carrière, on prend bien plus que 100 poèmes. Wow. Now, on dit, on écrit en français, en créole, en anglais. Oui. Là, bon, je me tout convient, tout petit ici, ça m'a dit là. Oui, oui. Comment apprendre tout français, ça, pour écrire pour en français? Eh bien, ça, on prend Gomba qui dit, on prend le bon Dieu, ben, moun yon don. On prend le bon Dieu. Or, le fait que français sont langues, on prend la carte, l'église, on prend parler français, la carte, on parler français, mais. On quitte Haïti à élémentaire 2. Mm-hmm. Après ça, comment vous pratiquez français? Moi, je lis la Bible en pile. Faux Bible. Ça, son inspiration et tout. Mm-hmm. Parce que les sommes de David, moi, je lis en pile. Proverbe de Salomon, moi, je lis le livre en pile. Ok, non. Si par exemple, vous écrivez 1000 poèmes, en général, qui t'aime qui plus préoccupe? Qui t'aime plus écrit sur les 1000 là? Eh bien, non, 1000 là, moi, j'ai un poème sur historique. Vous comprenez? Par exemple, j'ai un poème qui est la captivité en français. Bah, sur l'esclavage. Moi, j'ai là encore en anglais qui est le bondage. Moi, j'ai encore qui est le freedom en anglais. Même j'ai en français tout et j'ai en créole tout. Bon, ça veut dire que 1000 là, c'est pas 1000 différents. Il y a un gars du tout. Vous avez dit de telle langue à telle langue, non? De telle langue à telle langue, yes. Okay. Yeah, parce que c'est moi-même qui écris. Une conversion française, puis mettez la langue. Ok, ça c'est premier. Premier. Parution qu'on fait, première édition. Oui, première édition. Ok, qui ont basé pour choisir dans 1122 qu'on mettait qui va être premier? Eh bien, ça me fait. Par exemple, moi j'ai un cahier. Et puis, j'ai une liste de poèmes. Mm-hmm. Là, Dani. Par exemple, comme moi, je le premier livre, là, il y a 122. Je prends le premier 122, ça c'est pour le premier. Et puis pour l'autre 140, ça c'est pour le deuxième. Et l'autre 140, c'est comme ça en fait. Et puis à partir de. Quand je travaille sur le quatrième volume. Ah bon? Quatrième volume. Donc il veut dire, l'année prochaine, je vais finir 8 volumes. Tout 8 volumes absorti. Tout 8 volumes absorti. Ça va le faire comme ça. Ça va le faire comme ça. Eh bien, partagez-les. Voilà. Fais bien avec lui. Parce que les bons dieux font faire pour l'autre.
Et d'abord, il publie déjà le premier recueil ça. Est-ce que qui j'aime nous réagir vis-à-vis du premier recueil? Bon, Kounia, comme moi, je suis avec ça, écrit en Tiotijan Piti. Donc, je suis publisher encore. Je dis pour le moment, instead of an 8 fund, to give me a 14. Bon, mon guet a pris les mlaka là tout le temps. Ouais. Mon beau café pensé à cause du Covid là. Oui, m'a fait la cour à cause de Covid, mais cependant, il y a qui vient là quand même. Vous cherchez le livre là. Vous cherchez le livre là. Waouh. Ou bien qui vous fait qu'on est livre là, il y a tout un dossier. Non, moi sur Facebook. Moi sur YouTube. Ok, c'est ça qu'il y a, mon Dieu. C'est ça qu'il y a. Ok, là, pendant la période Covid là, monsieur, mon goût là qui inspire. Oui. Tu vois que goût là, goût Covid là. Même époque là. Ça vous dit dans le problème ça, par exemple, Covid là? Non, moi je dis dans le problème Covid là, ou quand vous ne pas songer qui numéro lié. Oui, mais quoi le numéro, ça vous dit là-dedans? Mais je dis là-dedans que qui est-ce qui t'a pensé ça pendant le 21e siècle pour t'a masqué aux États-Unis? Et son pandémie qui vini pour ravager un point et pas discriminer contre Simon et grand monde. Donc, bon Dieu vient pour le contrôler quand même. Même s'il a fait ravage qu'on y a, mais bon Dieu vient pour le contrôler. C'est ça, c'est un problème. Il a dit ça là-dedans tout. Yeah. Bon, en gros, si un monde acheté un recueil ça, qui ne connaît pas si elle va le coup du tout, qui ça d'abord, ou qui impression après ce monde-là? Eh bien, surtout si c'est un monde qui. Nous sommes un monde qui est religieux, on prend un monde qui fréquente l'église en pile, il n'a pas apprécié ça en pile. Parce que même. Yon tiè poèm za, yon tiè poèm nan liv za, tout se de Dieu parle tout. Se de bon Dieu. Mwen parle la Haiti. Oh, mwen konpwen m ap ekri konye sou Haiti. Oh, man. Mwen pa pale de la révolution haïtienne. Et que kom Haiti, que son peuple ki abandonné pou sa Haiti accompli dans l'histoire. Mwen bon, Haïtien même, mwen exemple tèt mwen. Moi dit me fini c'est comme j'ai 11 ans moi gain en 64 moi gain 11 ans mais cependant me fait l'école publique mais tout ti haïtien on prend une source d'espérance comprends maman Dieu il a caché identité on me dit pour qui ça pour cacher identité là si je suis fier le tête de nationalité si chinois fier pour qui ça ou même ou fait me dit eh ou haïtien ou même son ou gagne histoire on prend la meilleure histoire au monde donc pas de cacher tête ou pas de cacher tête tout OK si on besoin de la côté pour lever yo gagne trois côtés au cap premièrement au cap téléphoner deuxièmement yo cap aller dans Barnes & Noble yo cap aller dans Amazon et yo cap reler et Exiblix, publisher même. Ok, now, téléphone pour Hello. Téléphone, moi, j'ai un numéro de téléphone, moi, là, c'est 347-635-0102. Ça, c'est numéro PAM. Donc, numéro exiblix.com, c'est 1-888-795-4274. D'accord, Abdou, merci. Sérieux, je n'avais souhaité qu'on fasse pile, quoi. Parce que je dois passer par là. Salut tout le monde. Comment nous y est? Non pas moi c'est Annie Alert. Moi c'est une jeune chanteuse haïtienne. Mais jodi a, moi pas vinn parler nous de musique. Moi vinn parler nous de aide nous capable jeune dans communauté haïtienne dans New York City. Précisément, moi représenter CTF Home Care Services. Qui ça qui CTF Home Care Services? CTF Home Care Services, c'est une agence qui chita call dans 3018 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Nous même nous là pour capable aider ou avec grand moun yo. Si ou même ou la kayou, ou ap gade kounye, ou genye paran ou, ki ta besoin aide, ou moun ki pou aide lan lessive, ou moun ki pou aide lan fait ti manje, nan al fè manquette, ou moun ki pou aide lèl pralwe docteur, li besoin ou moun ki pou accompagner li, nou même nou la pou sa. Pa hésite rele nou nan 718-856-6800. Si ou même ou la kayou, ou pou konto, ou genye ti difficulté pou fè n'importe bagay la pou kontou, lèm di n'importe bagay tankou lave, fè ti manje, ale kay docteur pou pran médicament ou pou fè ti clean kay la pou ou, pa ezite rele nou, n'ap kontan ede ou. Rele nan 718 856 68 00.
City of Home Care Services, nous chita konouna 3018 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Nous là pour aider la communauté haïtienne avancer. Pas hésiter à contacter nous. Et programme ça, nous gagnons accès à elle à cause de Medicaid avec Medicare que l'État américain mettait pour nous aider. N'a pas aidé gratis, si chéri. Ou pas gagner un route pour payer gratis, si chéri. Parce que l'État américain a payé pour vous. Contactez-nous dans 718-856-6800. N'a pas content aider. Bye bye, à bientôt. Bonjour téléspectateurs, bonjour téléspectatrices. C'est un réel plaisir pour moi-même Jerry Dumas vinn parler un petit causer ensemble avec vous. Comme nous déjà connaissons que nous avons une organisation qui est le TTD Tectang Démocrate. Et organisation ça son organisation socio-éducatif qui fait travail en Haïti. Les n'a regardé état jeunesse toi et ta pays noir, nous dit que nous-mêmes faut nous agir avec sévérité en dans pays. Dans ensemble de organisations que nous travaillons ensemble avec eux depuis des années, nous mettons ensemble de activités qui relaient Journée internationale de démocratie avec Journée internationale de la paix. Année 2020, malgré situation ou pas bon, mais nous-mêmes nous pas capable de des bras croisés. Nous décidons fêter Journée internationale de démocratie qui c'est 15 septembre cap vinn là. Nous disons merci qui déjà contribuer ensemble avec nous qui ben nous support parce que nous connaît si c'est pas diaspora pas gagne rien qui a marché pas gagne l'école pas gagne mariage pas gagne enterrement pas gagne aucun aspect dans l'économie qui a marché donc grand pile amis qui déjà supporter nous nous dit merci mais n'a demandé au même qui pour faire ça contribuer ensemble avec nous pour que nous aider jeunes en Haïti nous faire un concours qui relé et démocratie atterri nous dit ces jeunes qui baille penser sur ça créer les démocraties parce que nous-mêmes nous pas faire démocraties pour compte nous et grand pile jeunes qui utilisent téléphone mal donc nous-mêmes nous voulons mettre jeunes dans cadre éducatif dans cadre académique c'est pour ça 15 septembre qui vient là n'a fait une activité dans local Mopod 16 septembre n'a font l'autre activité dans mairie Taba 18 septembre n'a font activité sur Zoom avec Maître Danton Léger et Claudie Jean-Jacques 19 septembre n'a dans l'Estep 21 septembre n'a remettre prime qui c'est plusieurs tablettes que nous baïe jeunes qui t'ai participé dans concours vidéo sous besoin plus information pour capable aider nous capable relé dans 973 545 61 31. Ou bien capable bal sous page Facebook nous côté que nous mettez ensemble de vidéos côté jeunes yo montrer qui ça yo fait à partir de talent yo pour dire qui ça qui démocratie et comment yo même y a impliqué non pas dans banditisme non pas dans craser briser mais dans construction en nouvelle Haïti. Nous disons merci d'avance pour support parce que nous connaît ou toujours travaille ensemble avec nous et nous toujours bail résultat côté que nous toujours atterri. Merci en pile pour support. Service anti-bife bay dans Spring Valley permet l'aide école. Priorité de satisfaction client qui a choisi ça ou vle dans mes poche. Brio poisson, toute qualité. Yo l'ouvre 7 sur 7, 10h du matin, 10h du soir. 238 89 West Aveso, New York. 288 9 Main Street, Spring Valley, New York. 1053 Flatbush Avenue, Brooklyn. 347 425 88 74. Accordia Shipping, kon ki jon sensible pour véhicule, quel te camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit jeep, c'est la gueule. Qu'est posé dans mes Accordia Shipping et puis nous badge l'a déposé dans Port Saint-Marc là pour. Adresse nous si on dans New Jersey 150 Moss Street, Newark, quel que soit state ou à vivre dans 201 993 5723. Ruffin and Associates mettait sous pied une clinique qui examine à distance pendant la caillou. Consultation, exécution, prescription, transportation dans laboratoire pour test en 10 services complets. 609 445 49 26. On vive en bonne santé grâce à Ruffin et Associates. Bon. Bon, matin, nous avons le plaisir de vous avoir avec nous, professeur Jean-Eddy Saint-Paul, et sociologue qui va essayer d'étudier avec nous. Situation qui a passé dans le pays d'Haïti, pourquoi elle est là? Comme nous connaissons que depuis tantôt deux semaines, il y a un bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince qui a assassiné. Dans mon période, côté que le président PIA, et Jovenel Moïse, et a préparé pour organiser l'élection, côté que contestation tout de l'initiative ça. Monsieur supporté par international là, il faut que nous disions, et monsieur Badin, majorité groupe politique dans le pays a pas allé dans ce sens ça parce que je crois que madame monsieur doit finir 7 février cabinet 7 février 2021. Professeur Saint-Paul, en tant que sociologue, qui ont étudié toute fait politique ça et qui gens yo en fait société haïtienne ajusté à différents problèmes ça. Et bon, faut moins dire que
docteur Montferrier d'Orval que yo assassiné pour moi-même assassinat ça c'est un assassinat politique qui rentre dans ça que moi relé un crime d'état c'est un monde que moi te connais c'est ancien professeur de législation sociale moi dans faculté des sciences humaines dans université d'état d'Haïti Montferrier d'Orval avant de spécialiser li dans droit côté li fait maîtrise à doctorat en France eh bien c'était un travailleur social c'est deuxième monde qui soutenit dans toute histoire département service social dans faculté des sciences humaines mémoire de sortie li qui li soutenit en septembre 1985 premier monde là c'était Pierre-Yves Raphaël qui était soutenu mémoire en service social en 1982. C'est un professeur de législation sociale, donc son monde que moi te connais et moi vraiment affecté par assassinat crapulé de bâtonnier Montferrier d'Orval. Donc ceci dit, comment moi comprendre assassinat ça? Premièrement, il est important pour rapidement nous informer les téléspectateurs yo, que bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, il a gagné 161 ans d'existence. Dans 161 ans, société haïtienne a expérimenté différents types de régimes politiques. Nous expérimenté des régimes autocratiques, des régimes autoritaires, des régimes qui étaient censés très proches de capable dit de fascisme par exemple le duvalierisme et surtout la papadocratie te gagné sociologue et économiste haïtien Gérard Pierre Charles li te typifié le duvalierisme et la papadocratie comme étant un fasciste du sous-développement ça veut dire duvalierisme te gon dimension fasciste la kayli et bien en dépit de dimension fasciste ça duvalierisme pat nou pat enregistré assassinat yon bâtonnier en fonction. Donc ça veut dire dans l'histoire politique contemporaine d'Haïti, c'est pour la première fois que yo assassiné un bâtonnier qui est en fonction. Donc ça c'est j'ai encore fait histoire là, il t'a semblé que ou mettez responsabilité gouvernement et administration actuelle là et responsable de la mort ça. Bon, est-ce que en ça fait, l'air que c'est un assassinat qui fait le 28 août 2020. Donc, et te gagné des antécédents et au début, l'introduction ou dit ça, qui est-ce qui était Montferrier d'Orval? Montferrier d'Orval, c'était le bâtonnier de l'ordre des avocats. Ça veut dire c'est premier avocat et pays hein. Et Montferrier d'Orval l'histoire du bâtonnier de Port-au-Prince d'ailleurs où gagne intellectuel Gaëtan Mentor qui fait des travaux li écrit un livre qui relait pour une histoire du barreau de Port-au-Prince côté dans livre ça yon nan bagay que Gaëtan Mentor montre c'est que souvent le barreau de Port-au-Prince généralement li toujours une institution qui associée au pouvoir ça li toujours fait partie de ça me capable reler appareil idéologique de l'état mais Montferrier d'Orval lui-même dans la ville ou bien tout ça il t'a gagné du point de vue académico professionnel c'est à travers critères de la méritocratie d'ailleurs à travers différents interviews li bay les joine bourse et bourse d'études composé sous critères méritocratie là l'étudier bien Montferrier d'Orval t'a gagné un discours qui t'a dérangé l'establishment Jean Rousseau dit là, eh bien, gagnons marché pressé de la part du gouvernement pouvoir PHTK version 2.0 de Jovenel Moïse là, pour que yo fait élection. Mais pendant ce temps, faut nous poser nos questions. Valait opportunité pour voir Jovenel Moïse là. T'es gagné pour te faire élection, li pa jam fè élection. T'es gagné élection qui t'a dû faire élection parlementaire, li élection ça yo pas de fait. T'es t'a dû gagné élection au niveau municipal, élection législative municipale et locale qui t'a dû fait, pa jam aucun élection ça yo qui fait. Donc ça veut dire li tann que pa gen parlement encore côté li capable gouverner par décret et puis c'est là un contexte côté gen en pile critique que
pouvoir Jovenel Moïse a recevoir notamment par exemple à travers machine électorale que yo met en place ça ou gagnent yon membre conseil électoral yo qui démissionné en bloc ou gagnent différents secteurs de la vie nationale que ce soit éléments de la classe politique traditionnelle ou bien des acteurs de la société civile par exemple on prend les fédérations des églises protestantes l'on prend la presse l'on prend et professeur Saint-Paul qui ça ça vient dans quoi ça aide gouvernement si c'est lui qui est responsable d'un crime comme ça qui gens que li avancé agenda gouvernement bon premièrement pour nous dire tant que c'est hypothèse nous capable avancer pour le moment parce que nous t'a souhaité que gens que le barreau de France gens que société civile en Haïti a demandé gens que étudiants tout professionnel a demandé pour ta gain justice qui t'a fait éclaircissement qui t'a fait pour éclairer l'antenne monde sur qui comment fait yo assassiné bâtonnier Montferrier d'Orval mais ça fait nous capable avancer des hypothèses premièrement ou capable être discours il t'a dit que le pays n'est ni administré ni gouverné ça avait dit il t'a dit que ou besoin faire élection il dit nous pas qu'à gagner élection dans contexte ça avec type de constitution ça que nous gagnons Montferrier d'Orval il t'a dit que régime politique là n'est pas adéquat, n'est pas correspond à la réalité sociétale société haïtienne. Donc ça veut dire lycée un monde qui te gon discours qui allait à contre-courant de discours pouvoir en place. Qu'on y a là en nous font l'autre élément d'analyse. Soit prend par exemple location à qui côté. Montferrier d'Orval c'est pas un monde yo assassiné ni l'Henri Pavé ni l'Henri des Miracles, ni l'avenue John Boyon, ni l'Henri Montalène, ni l'Henri Tirmas, ni l'en centre-ville, ni Boudon. C'est yon moun yon assassiné en dans la kaili, pendant que li fin parke machine la kaili, li pral ferme barrière li, eh bien, te gen moun ki te gen tan rentran d'aptan. Et location très important, parce que Pèlerin 5, côté li habite, hein, c'est tout près côté le président de la République, monsieur le la coupe présidentielle, Jovenel Moïse et Martine Moïse, yo habité. Sou prend toute expérience sécurité, y a dou que dispositif sécurité qui l'en gen dans zone là, li impensable pour yon assassinat comme ça ta fait de temps pour cette insécurité qui t'a provoqué. Ça c'est premier bagage là. Deuxième élément d'indice, non seulement yo fin assassiné bâtonnier Montferrier d'Orval, mais où est yo rentré la kaili yo al prend bâton hein qui c'est yon symbole qui gon paquet symboliste la pour question justice yo prend bâton hein mais yo al fouiller kaili al tankou de capable di faire bagay ki pa ta dwe fè et y a dou que côté policier qui était cantonné pour bay sécurité pour protéger scène crime là. Donc ça veut dire moi penser tout élément ça yo montrer que c'est pas n'importe monde qui yo voyé assassiner bâtonnier Montferrier d'Orval. Oui mais que écho tout que yo dit que monsieur gon équipe avocat qui en fait pas correct que t'a pas dénoncer et ça vient arriver dans contexte peut-être à la veille et de projet monsieur gain pour dénoncer certains avocats qui pas correct dans le domaine. On pas quoi ça pas fait sens. Bon pour moi-même mais moi il pas vraiment fait sens parce que pour le temps fait sens ça va dépendre qui côté yo t'a assassiné Montferrier d'Orval mais Pèlerin 5 côté pour passer rentrer dans zone là ou supposé passer des dispositifs de sécurité ça c'est premier bagage là deuxième bagage non seulement assassinat fin fait et puis ouais moun nan li à l'aise pour yo rentrer dans caill là pour yo aller de capable di piller Kaila pour fond d'autres sortes de crime encore yo al piller Kaila pour rechercher toute évidence prendre bagaille pas ta vle qui ou comprendre document etc en façon pour éliminer un paquet évidence pour les bon enquête sérieux qui a fait pour bagaille ça donc moi penser ça son crime politique lié li pas n'importe crime de droit commun comme ça ça c'est hypothèse qui genre de crime ça ou même la affecter fonctionnement société hein, et going forward. Par exemple, qui a pas affecté capacité président pour le capable privé faire élection en Jean Dablé? Bon, Mbrado, en politique, moi-même, moi écris un article, m'voye publié
sous assassinat bâtonnier Montferrier d'Orval. Faut me dire docteur Fayette, Haïti rive dans situation côté ça moi relé gangstérisation et criminalisation de l'État. Pas pour dire Jovenel Moïse, c'est pour voir version 2.0 PHTK qui inventé li. Par exemple, depuis sous Duvalier, tu toujours gain gangstérisation, mais gangstérisation bon gens te kon fait. Jean-Bertrand Aristide II, entre 2001 et 2004, il prend une nouvelle forme d'armée mais qu'on lit sur ça qui est le chimère dans ton mal. Comme milice armée en Haïti, ça veut dire qu'on a pour une gangsterisation côté, il te compte servir avec Timoun pour mettre au lan base, c'est ton bataille entre base qui te gain sous Aristide. Qu'on y a là, c'est en cours, c'est même logique de pourrissement l'État, gangsterisation qui arrive à un niveau qui pis pourri toujours, qui prend forme, ça veut dire le banditisme légal. Nous bandits, mais nous c'est bandits légal. Donc là, banditisme légal, là, je pense, il y a un pile trait qui explique banditisme légal. Là. Un pouvoir qui fonctionne d'après canon, critère banditisme légal, là, son pouvoir qui a un pile cynisme la kaili. Et c'est un pouvoir tout qui a une autre forme de rationalité. C'est un pouvoir côté, c'est pas chef l'État ou bien moun qui agent étatique, yo, yo pas wè pouvoir comme yon moyen pour yon servir communauté, hein, mais yon wè pouvoir comme yon moyen pour yon toujours absoucer sa mrele mamel bef la. Ok, donc, now, professeur, Saint-Paul, et nous avons deux courants. Il y a un courant qui dit que Mme la Présidente finit 7 février 2021. Et en fait, président, courant pas président, qui dit que c'est 2022 que M. a fini. Mm-hmm. Et compte tenu de l'expérience ou observation qu'on fait, et est-ce qu'on pense que M. a traversé 7 février 2021? Bon, c'est Manny. Pour voir là, c'est un ensemble de dispositifs liés. Ça veut dire là, mort, assassinat. Par exemple, ça va dépendre à qui intention que vous faites. Depuis que vous jouez la fin, justifie les moyens pour en pile fois pour un aigle, pour faire pour voir quelqu'un soit criminel capable de servir, premièrement. Donc, moi, même pense que l'assassinat, ça, c'est un élément, un dispositif en pouvoir étatique. Pour qui ça, moi, dit ça, son élément, un dispositif, c'est parce que, premièrement, les ont fait assassinat à Pèlerin 5. Qui c'est bon côté président arrêté, il y a une hypothèse que acteur pouvoir yo même yo capable de faire, eh bien yo capable d'utiliser assassinat ça pour yo dire que bon, mais c'est moins yo te c'est nous même yo te besoin vin assassiner, donc ça veut dire nous gain ennemi nous yo nous gain des acteurs du secteur privé des affaires, des acteurs de l'opposition, eh bien qu'on y a là nous pral laguer la médaïti là côté qu'on président lui-même li te dit hein li capable yo outils li utiliser pour capable faire répression pour li aller contre adversaires politiques li yo qui dans le secteur privé des affaires mais certains adversaires que li identifier parce que dans secteur privé des affaires là gon paquet acteurs qui a soucé la mamel vache bœuf là sous Jovenel Moïse, Jovenel Moïse pas attaqué moun sa yo. Donc ça veut dire li gen droit li gen de trois moun que le mettait sous la sellette là que l'attaquer que l'a justifié bon grand pile et bon côté secteur monsieur qui fait connaître que son on démarrage que le fait pour le capable arriver dans en réforme. Est-ce que vous pensez ça son évaluation qui correct? Moi pas penser son évaluation qui correct parce que ce qui ça en détail Jovenel Moïse moi même qui analyse discours li gen quelques mois de cela là. La part a un discours que yo capturé l'État, la dirigeant l'État qui capturé. Mais mes amis, quel que soit moun, ou être entré dans l'université depuis la première année, ou gen bon professeur, introduction aux sciences sociales, introduction à la science politique, y a expliqué l'État lui-même, c'est lui-même qui doit être détenteur du monopole de la violence physique légitime et violence l'État lui fondé en droit. Ça veut dire ça qui a passé en Haïti. Hein? Ce n'est pas celle Haïti qui a passé. Ce n'est pas la première fois où il y a l'État, côté en face de l'État, il y a des acteurs du secteur privé des affaires qui sont en ensemble de monde extrêmement rétrograde. Où il y a des éléments de l'opposition ou opposition qui pas vraiment gain trop force vraiment. Donc ça veut dire toujours il y a des acteurs qui sont en face de l'État. Mais lorsqu'on l'État, effectivement, l'État qui a une vocation pour servir la population,
eh bien l'État lui-même li doté de yon ensemble d'institutions que li supposé utiliser pour capable assurer la sécurité physique, la sécurité interne et la sécurité externe de la population. Mais depuis quelque temps, l'État Jovenel Moïse a dit que l'État a capturé l'État. Mais pendant ce temps, qui action concrète que l'État fait effectivement pour l'État connecté à la réalité communautaire, qui c'est l'État qui doit bailler service. Donc, ce n'est pas ça nous observer. Ok, now, vis-à-vis, et Jean-Michel Comportel, avec Jean Réaction efface du côté public là, vers qui ça nous parle exactement, professeur Saint-Paul? Bon, moi, je pense que son société, effectivement, qui a traversé, bon, son l'État, pour moi, même beaucoup de gens, moi, y a l'État qui aussi arrive à un niveau de pourrissement, ça, comme ça. Donc moi-même, moi, ça, moi, qui est capable de faire, moi, par exemple, nous sommes en pleine situation de guerre civile. Ça fait, moi, dis ça, il y a un pile scénario que nous avons arrivé en guerre civile. Par exemple, soit prend l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti, normalement, son l'armée qui était mise en veilleuse depuis 1900, les Aristides retournaient. Jovenel Moïse dit l'immobiliser l'armée, alors que tout spécial est sous question l'armée. D'où que l'armée, ça, elle dit l'immobiliser, son l'armée qui t'a doué résultat de un consensus société. Qui vous a dit société a t'a doué dit qui consensus t'a doué gon état généraux un dialogue national un cadre dialogue national pour différents secteurs de la vie nationale t'a dit bon nous gagnons la République dominicaine qui est en face nous là nous c'est un pays actuellement nous sous contrôle de la République dominicaine nous gagnons dignité nous comme peuple pour nous sauvegarder oui nous besoin l'armée qui pour contrôler frontière nous qui pour contrôler la frontière haïtienne dominicaine nous l'armée qui pour effectivement contrôler pays en là nous gain catastrophe naturelle okay. Etc. Donc finalement professeur Saint-Paul face à crise la situation soit recommandée pour une solution à la crise donc moi-même ça que moi-même moi sont une situation qui est vraiment difficile parce que c'est un yo système politique là les fonds li mettent société à un niveau de précarité qui est extrême côté même acteur yo yo vraiment pas gain capacité pour yo mobiliser ou te gagne les Petro Challenger eh bien yo mouvement qui vraiment te gagne un objectif qui très noble ou ouais yo font gens yo coopter mouvement ça donc, c'est ça veut dire que pouvoir ça Jean Labarge malgré la malachi l'a gagne will l'a fait succès ça veut dire là bon son pouvoir qui campe pour craser toute institution yo par contre s'il a fait succès parce que Haïti gon histoire. Donc, ou pas, j'en connais parce que politique gagne le temps politique. Donc, ou qu'arrive on l'est, n'importe l'est, ou est-ce l'idée idéale de Saline de couper tête boule, ou pas, j'en connais ça qui a passé. Mais, ou senti société en tout, son société qui y a dirigé par la peur. En pile monde, société qui vient extrêmement individualiste. En pile monde qui peut être rentré dans la bataille, yon plus aptan, yon frère, yon soeur, yon cousin, prend yon, voye yon Chili, voye yon République Dominicaine, voye au Brésil, rentrer ici aux États-Unis. Donc, nous avons... Bon, finalement, professeur Saint-Paul, sa diaspora, t'as dit, dis la crise, bon, diaspora. Là encore, ça, c'est un bagage qui est complexe parce que diaspora, elle n'est pas constituée un bloc homogène. Moi-même, moi, pense que c'est important pour éléments qui sont dans la diaspora, parce que toujours Abdou, ça, bon équipe élément pathogène et pathogénique dans la diaspora, mais éléments qui encore sont dans la diaspora. Je pense qu'il y a différents types de mobilisation qui doivent être faites. Tu as des pétitions qui sortent dans la diaspora. Les gens qui sont intellectuels, tu as dû écrire, utiliser les réseaux sociaux, faire pression, faire pétition, faire lobbying pour bon côté Washington, faire lobbying manifestation. Pour nous, il y a qui ça? Vraiment, qu'il y a gagner une publicité qui pour faire pour montrer la communauté internationale, là, pour montrer le monde qui type de danger malépendu qui campait. Il faut camper sous Haïti parce que pouvoir PHTK ça c'est un pouvoir qui a mené payant direct là en guerre civile et qui a mené payant directement dans l'abîme et me capable dire l'enfatrage en haïtien qu'on y a là c'est réalité ça donc on sont sociétés. D'accord et pour vous dire simple la paix du merci Francis est un conseiller financier offre assistance sur toute décision financière assurance de vie assurance immobilière investissement allocation de biens plan de retraite testament préparation d'argent financier Francis Zéron 21 74 au centre de Brooklyn New York téléphone 718 434 5825.
Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un Safrou 3 et professionnel dirigé par Gredin, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Rosberry, 516-338-4933. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. En Haïti, on ne respecte plus les prêtres et les monseigneurs, a déclaré Monseigneur Pierre-André Dumas dans son homélie du 31 août à Petite Rivière de Nippes à l'occasion de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Le prélat se référait à l'offre du poste d'ambassadeur au Vatican qui lui a été faite par le chancelier haïtien en échange de sa contribution à la nomination d'un représentant de l'Église catholique au Conseil électoral provisoire. Cette dénonciation du Monseigneur Dumas est indicateur de l'absence de support de l'Église catholique au projet de l'actuelle administration d'organiser des élections. Elle est aussi le témoignage du niveau de corruption atteint dans la gestion des affaires publiques. Arrêtez de mentir au peuple, arrêtez vos discours arrogants et ostentatoires, a poursuivi Monseigneur Dumas aux dirigeants reprenant une partie de la déclaration de la conférence épiscopale sur l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. L'évêque de Nippes s'en est pris aux autorités du pays pour leur association aux bandits qui peuvent parader parce que associés au pouvoir et jouissent du support d'administration publique. Nulle part dans le monde, on a vu des bandits qui se fédèrent et bénéficient de l'autorisation du ministère des Affaires sociales, a indiqué Monseigneur Dumas dans son homélie. Certains analystes vont jusqu'à faire croire que les bandits agissent pour créer la peur, consolider le pouvoir de Jovenel Moïse et réinstaurer la dictature à l'instar des tontons Macou, des Duvalier. Aurons-nous le courage d'accepter le retour aux heures noires de la dictature? Les conditions socio-économiques à l'intérieur du pays nous ont conduit à un niveau d'immoralité si bas que nos responsables croient pouvoir tout se permettre pour maintenir leur pouvoir. Cependant, l'assassinat de Maître Dorval et la position publique de Mgr Dumas nous rappellent que nous avons encore des hommes intègres dans le pays. Chaque dimanche de 8h du matin à 10h du matin, pareil l'autre côté mon ka joine moi devant télévision moi pas rater Haïti première classe moi. Haïti première classe c'est potomite en communauté. Haïti première classe definitely is the cornerstone of the community. That is the show to watch. We are there every Sunday. Bon, matin revenir avec docteur Ivan Duchesne encore sous affaire corona. Docteur Duchesne, qui est en situation et vous ce maintenant? Bon, et situation en termes de monde qui est infecté aux États-Unis, nous avons tout près 6,5 millions de monde qui est infecté. En termes de monde qui est décédé, nous avons 192 000 et montant. Parce que c'est à peu près 1000 monde par jour, 1000, ça manque toujours. Et bon, succomber à la maladie. Et puis en termes de qui côté de la maladie a augmenté, c'est particulièrement, j'ai dit la semaine dernière, c'est Simon qui est dans le collège. Bon, malgré que les symptômes sont moins aigus, mais encore, ce n'est pas tellement le timonio, c'est le timonio à la carrière pour te dire. Donc, Dr. Salvador te dit, et dans l'université fermée à cause de ça. Donc, ça, c'est un problème. Et l'autre chose qui a dominé l'actualité, c'est le virus ou ça. Côté que finalement, on commence à mettre des informations. On parle de virus, ils sont le virus. Excusez-moi. De le dire vaccin. Oh, vaccin. Vaccin, mm-hmm. Russe, merci. Et vaccin russe, là, c'est. Ils ont commencé à publier quelques résultats. Mm-hmm. Mais ils ont remarqué qu'en général, le principe scientifique que les scientifiques russes ont suivi, ils ont très bon. Et le nombre de participants dans les phases 3, que pas de publié, l'a augmenté et réponse immunité chaque mois à virus là, il n'est pas aussi haute
que virus que vaccin AstraZeneca, mais quand même ils font différence. OK, non, ça veut dire qu'en termes de vaccin dans qui point nous côté n'a en position de sécurité côté capable dire que bon nous contrôler maladie nous gagne remettre pour les. Bon, aux États-Unis d'après toute dernière conversation directeur NIH là, et Institut national de la santé aux États-Unis et même aussi les autres pays bonheur que nous ca jeune vaccin pour les États-Unis c'est en janvier. Donc, a fait que le président a dit qu'il a fait une surprise, disons, avant l'élection, pour dégager un vaccin. Toute compagnie pharmaceutique et même gros monsieur Sao dit que c'est impossible. Parce que tout examen, disons, phase 3 pour confiner, particulièrement, surtout dans le vaccin qui a fait que l'expérimentation a fait dans. En Angleterre, ils ont remarqué que grand monde qui dégaine une inflammation de sanglier la moelle épinière. Moelle épinière là, c'est disons un tronçon de nerf qui la colonne vertébrale, non? Colonne vertébrale là, comme on connaît ça, qui des os qui sont dans la tête ou juste que là, coccyx qui dernier point là. Et puis c'est pour protéger la moelle épinière. Donc moelle épinière, c'est un tronçon de nerf qui connecte cerveau avec le reste. Donc, nous avons une information là-dedans. OK. Alors, les aptes ces vaccins, les provoquer réactions, c'est ça? Il n'y a pas encore fini. Il n'y a pas encore si c'est vaccin qui provoque les, ou bien si mon nom, tu as pas le gain quand même. Okay. Et puis, c'est coïncidemment, il n'y a pas le vaccin. Donc, il y a deux cas comme ça, qui veut dire qu'il y a fait une investigation, il y a ralenti phase 3 dans le cas de AstraZeneca, particulièrement. Mais pas oublier que c'est trois compagnies américaines qui ont vraiment travaillé sur ça. C'est AstraZeneca, Pfizer, avec Moderna. OK, il y a un point qui est important, c'est l'utilisation de minorités ou dans le groupe de monde qui a testé. Vraiment, ça, c'est un problème qui est posé dans la phase 3, c'est ça? Oui, en termes de pourrais-je le nombre de participants, surtout dans le domaine minoritaire, et historiquement, toujours une réticence car les minorités pour participer dans une sorte d'expérimentation. Vous pensez qu'il y a victime, il y a peur? Oui, il y a peur. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, surtout compagnie en Angleterre, l'Université d'Oxford, c'est l'Afrique du Sud qui fait l'expérimentation. Donc, mais en général, bon, malgré ces victimes de corona, nous avons tendance à une sorte d'hésitation, un manque de confort à cause de l'histoire. Parce que nous parlons de notre expérience après sur nous. Oui. Donc, ça c'est un problème. Je pense que ça pose un problème, le vaccin suicide tout le monde, pour en fait, minorité ou pas, non? Bon, et premièrement, il a commencé avec les first responders. Qui veut dire que les gens qui travaillent dans le domaine de santé, police, les gens qui travaillent dans la santé, qui veut dire que les gens qui sont exposés. Et en général, les gens qui sont dans la santé, ils sont tout. Donc, de là, il y a une certaine information. Et donc, je toujours conseille mon associé papa parmi les premiers. Mais disons là où ça va commencer, ça va avancer. Bon, en fait, c'était la docteur Duchesne qui était parlé avec nous là sur question de Corona. Donc là, on a quitté la semaine prochaine. Merci. Haïti première classe, bon qui choy! N'a pas le tout pour qui branche Haïti première classe matin. N'a pas le docteur Petit, Codexiquette, Linda West Orange, Yves. Et Long Island, consommant Yves Obou qui en fait dans Rosel, la pays gen Rose, gen Mireille, gen en fait pilote mal voisin, et qui chan Long Island qui pas jamais raté Haïti Bouin Cassio, et n'a pas le Gladys, et n'a pas dit tout gen Donald, Paul, Edlin, Pierre Saint qui n'a Edison qui gardé Haïti Bouin Cassio régulièrement pendant que n'a dit que Fredoville, nous pas oublier Fredoville dans Spring Valley, Simon Desa. Justement, on a parlé de Fredoville. Fredoville n'est pas venu. Non, on a fait une réunion. Mais c'est que nous attendons que la prochaine réunion que nous avons pour Haitian Leadership Forum, dans Wakland 46, nous apprenons à Fredoville s'il est capable d'assister. Nous pensons que ça va très bien. Et coordonnatrice, parce que bientôt, nous sommes capables de faire une réunion
parce que tu parles en Haïti, tu parles encore, puisque là, je pense que ce que tu l'as, le changer. Mm-hmm. Et nous avons profité ça de tout le temps en membre Asian Leadership Forum, soit à New Jersey, Connecticut ou bien Brooklyn, parce que il est très bien de nous aller pour nous participer dans différents groupes WhatsApp que nous faisons. Que côté que vous et même vous là pour capable bailler et n'a profité dit que par exemple groupe et en fait échange de chapitre Bourguignon dimanche et samedi passé font une distribution que n'a pas chance ouais dans programme là donc chapitre a travaillé sérieusement nous connaît que le 19 septembre n'a pris conférence chapitre Jésus a pris conférence avec et docteur Jean Fizemé donc n'a dit échange de forum réuni régulièrement chaque vendredi soir dans Jésus chaque samedi matin dans Brooklyn et dans Spring Valley dimanche soir. Et justement, nous avons appelé toutes les personnes qui ont besoin pour faire partie, comment ils sont capables de faire partie de Asian Leadership Forum. C'est très simple. Vous pouvez aller dans 973-932-65-85 ou bien les Fayette que nous sommes capables de voir l'information. Et puis nous avons participé à la réunion, parce que je suis tout le monde est très bon. Et aussi, nous avons tout profité pour nous saluer en pile monde qui regarde le programme là, le dimanche matin Fayette partout. Spécialement que nous avons salué Josette Lapisse, nous avons salué Mister Laporte, Rose Mézi, et nous avons Alistaco et Marie-Lie, et nous avons Laurieuse Verrier, et nous avons en Vision Internationale qui a fait distribution, puis nous avons battu avec Monsieur Lambou Clignot, nous avons fait distribution de valises à Simone. Nous avons compté, malgré nous avons pris valises dans la chaîne pour nous déposer à Haïti, nous avons dit que nous avons fait 100. Nous avons plus que 200 personnes qui viennent. Okay. Mon seul baculier, nous capable dire 80% de l'espagnol. Ah bon? Avec l'autre nationalité, indien, tout le monde. Mais haïtien, ils pas tellement venu. Mais est-ce que nous faisons appel là pour vous entendre? Appel, ils ont fait appel. Nous avons radio. Haïtien, il y a un problème. Radio, on a parlé, on a parlé, on a pas venu. Mais quand même, il y a un peu de monde côté nous, on a un game, on a acheté des côté de nous, on a monté, on a joué. Et nous avons fait des pizza, hot dog, différents bails que vraiment, si nous avons vraiment enjoy. Bon, malgré nous avons les balles, c'est un back to school fun day. Quand il y a dit, ouf, this is really fun. They loved it. So okay. They asked me que nous pensions son bel bail que lié et aussi que tout nous gagnons Gilbert en avant. Nous saluons tout membre Gilbert en avant yo et qui a préparé nous pour faire un bel bagage pour Gilbert pour écouter que n'a fait distribution valise et n'a fait distribution plan sur mango que yo te ban nous yo n'a tout profiter faire ça et gon si travail tout côté que yo prend ensemble pour mettre et Gilbert côté que lié en monde a des difficultés pour parler dans téléphone ça c'est l'Antoine Wout Saint-Marc 4e section et nous gagnons maître Michel et avec l'autre membre qui fait n'a dit merci déjà avec un compagnie téléphone que qu'il a en Atcom qui déjà qui pourrait non qui pourrait mettre en antenne hier son tower côté que pour nous capable de signal téléphone et nous faire pareil toi avec digital pas qu'on répond donc nous voici ces belles barques côté que eux même pas célébrer en anniversaire de en fait en que en Saint-Michel que vous fêtez le 29 côté que il y a une opportunité garder si que tu es capable que tu en fais ça pour nous même si on belle bagarre que lié. On a pu rappeler que Besquet College est 68 South Harrison dans East Orange. Et il y a un CZ, il y a un Homelte, il y a un LPN League, il y a un LPNAN. Il y a un LPN qui a commencé le 24 septembre. Il y a un LPNAN qui a commencé en octobre. Donc, Besquet est ouvert pour capable d'éducation, de licence pour aider le monde à changer de vie. Il y a un Besquet 973-673-4900. Et nous avons dit pas oublier que spécialement pour l'agent Bayo vient changer on a besoin en web designer n'a pas lu de Ronel de Rosin qui capable aider nous pour nous capable en faire n'importe un website que nous besoin nous capable le 203-644-4593 et lui même que il a vraiment ba nous un bon travail nous capable le Ronel Bekanov président dit l'a chercher cook qui compte faire manger haïtien pour faire bon gens manger pour aider étrangers apprécier cuisine haïtienne dans 62 5e avenue Bouquin téléphone 718-789-2176. Et aussi nous avons un Legacy Pharmacy avec Gerdine en 400 South Wood Street. Nous avons dit que Gerdine c'était une pharmacienne haïtienne qui était déjà appelée nous en vent corona, qui était capable de nous
instruction comment que nous capable prendre médicament nous et maintenant nous voyons que si vous voyez médicament nous à picopio donc ça très important pour nous capable briller en gardine dans 908 352 0050 là que nous même nous aller prendre médicament pour expliquer nous en bon créole comment que pour nous prendre médicament ça n'a dit chez Mireille à partir de 11 du matin gagne bon que préparer pour tout le monde garçon et fille et moi quitter fouyo en paix qui déchire mieux prend burden pour nous relais préservation 516 58 49 33. Et nous gagnons en Elizabeth Noir Shipping avec Joël Bonomet qui spécialement nous connaît connait là là que bateau aller en Haïti normalement que ou même qui te gagne machine qui te gagne bail côté bail à Joël que nous capable relire pour nous capable est-ce que bail nous que arriver en Haïti dans 201 435 1570 que pour nous capable prendre plus d'informations. N'a pas dit que gagne coup tutoring dans Bouquenan, c'est professeur Antoine Coq qui fait lui pour aider mon entrer au collège. Et professeur Coq dans 35 24 avenue H téléphone 347 659 1967. Et nous gagne un Gispat en restaurant qui est dans 55 Kennedy Drive. Que n'a dit que qui ouvre en lundi au samedi ou pas ouvrir le dimanche parce que en pile mon les regarder le que nous a manger manger ou que nous même ouvrir relier ou tarmer pour order mais c'est que pas ouvrir le dimanche mais nous capable relier pour l'autre jour là 845 262 14 67 pour nous capable faire order nous n'importe ça que nous voulons même peut aider nous donc merci Gispat pour support ou n'a pas appelé Fancy Buffet qui dans trois adresses dans 280 North Main Street dans Spring Valley et l'île 240 route 9 ouest dans Havestro New York l'île 1053 Flatbush Avenue dans Brooklyn et ben il y a différents gens capables de livrer manger pour vous et DoorDash gagne Uber donc téléphone 347 425 8074 et nous dit nous gain combat assurance que côté que nous a dit merci en plus mon qui était relé nous pour semaine là côté que nous même prend assurance que nous ouais comment que on prend conscience de tête yo côté on prend entière assurance de vie pas besoin prendre en pile et nous est que différent le tout et n'a dit à monde tout qui te connaît besoin que en partie que disability avec un comme protecteur que il capable tourner nous capable briller dans 973 932 65 85 côté que capable ba nous plus information sur différents sortes d'assurance que nous même nous gagnons et wap toujours nous petit bail que quand même nous même qui capable fold n'a pas dit gain combi de créole qui meet and fish dans Bouquenan qui établi dans 1444 dans Bouquenan. Et c'est Jean-Lucien Bélia qui a fait venir à viser ça. Spécialité, c'est boulette, kibi et poule du. Donc, tu es avec lui pour acheter, viens nous acheter poisson. Ou alors, il y a un comble à l'autre côté. Sous son restaurant supporté, il faut haïtien. C'est l'aide pour l'autre pour comble à prendre la famille. Téléphone 785-76-60-68. Et nous avons encore de la shipping, que côté que nous connaissons, que nous partons de New York, New Jersey, et nous partons de Boston et Florida. Donc, en côté que nous allons sur Port Saint-Marc, côté que en plus, nous vraiment en satisfait de service là, et côté que nous avons contrôle. Et on va que nous avons en Marc-Antoine t'a montré, côté que pour nous faire attention à gens de bagages que nous mettons en dedans boîte ou bien en dedans bagages que nous gagnons. Parce qu'il y a la bête chien qui est là, là, les plus bas. Attention, si il y a des mauvaises intentions, donc pas prendre chance parce que il y a un petit guédon. Il y a justement passé par bien non sous boîte là que vous voyez avec mon nom. Donc, on va mettre mon nom en problème. Donc, faites attention à qui ça que nous avons mis dans la boîte. Il y aura porté des grands piles qui étaient entrés dans le pays hier à travers. Bateau ça malheureusement qui pas connaît parce que mon n'est pas fait dans et si mon a porté l'autre bail qui passe à tout il y a pas qu'un bio donc son pinga et n'a dit que dans gagne ma beauty salon qui dans Issou Angela qui là pour faire cheveux vous avez besoin justement que je capable les lire dans 973 677 94 30 et aussi n'a dit pas oublier pour nous passer visiter moi là 311 North Main Street dans All Century côté que nous connaissons que nous besoin acheter caille pour vendre caille ou bien caille pour louer et si nous besoin assurance pour machine nous capable les moi là 845 426-0312. Bon, on avait dit tout le monde à partir de 9h. Nous avons rendez-vous sur 95.5 FM pour une émission. On va aller pour nous saluer. Tu veux dire, nous qui sommes en train de nous parler. Donc, on m'a dit pour nous relier, pour nous capables de faire arrangement. Il suffit que nous ne pas faire la moitié de temps, mais commencement octobre, côté que. M'a dit tout que, et si mon monsieur vous l'aide, monsieur, vous ne pouvez pas porter là. Faut me dire ça. Parce que faut ne pas faire ça. Monsieur, vous l'aide, c'est pour nous l'aide pour vous. Donc, monsieur, connaît bien que si mon monsieur va l'aide là, c'est pour tel, pas pour tel.
Bon, on a fini semaine prochaine que on a fini avec l'être côté que on a lié dans l'air parce que nous écrit moi et lui qui a fait aussi côté que on a dit merci et ça a montré que je suis au cœur parce que appréciation pas bien l'être là juste à soir à partir de 9h 95.5 FM Haïti première classe. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre un pile service tel que rachet dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Mose Tax Travel Services qui a jam pour résoudre problème taxe avec voyage communautaire. Il planifie toute activité vacances qui va monter avion, bus, train ou sinon bateau. Saison taxa, il y a un comptable qualifié à computer bien programmé pour faire electronic filing et faut joindre refund sans qu'elle saute. Mose Tax Travel Services 22 81 Church Avenue Brooklyn, New York. Téléphone 718-684-3696. Joël Bonomet et Elisabeth Nouak Shipping ont une ligne spéciale qui débarque chaque deux semaines dans la coupe Port-au-Prince. Ça veut dire bateau gros l'estomac a débarqué ni Saint-Marc ni Port-au-Prince. Seulement pas oublier mandé qui côté veut aller. Si c'est Saint-Marc ou bien si c'est Port-au-Prince. C'est toujours le même numéro de téléphone. 201-435-1570. Je salue tous les téléspectateurs qui ont regardé Haïti première classe matin. Hein? Et maintenant là, nous dans la coupe Brooklyn, côté que chapitre Brooklyn dans HLF. L'école a ouvert et mais on voit activité là qui commence à faire côté que on a distribué cahiers, plumes, etc. par population Brooklyn. Et maintenant nous là avec monde qui compose chapitre Brooklyn et nous gagnons avec nous là similien en attendant des similaires justement qui a dit nous qui ça pousse pour commencer gros travail ça dans Brooklyn avant l'école a ouvert là. Bon, ça qui pousse nous c'est que nous bien contents. Parce que nous avons fait une distribution de masse dernièrement. Quand nous avons venu, nous dit bon, l'école là-bas est ouverte, il faut nous tous capables de faire une petite satisfaction à tout le monde qui est à l'école. Parce que il y a trois gens qui sont à l'école, qui ont fait remotely ou bien au blended, c'est-à-dire vous faites remote ou faire une personne. The third one is une personne, c'est-à-dire que dans la classe là. Donc nous disons que le conseil de parents qui n'ont pas de possibilité pour acheter cahier ou bien plume ou bien quoi que ce soit, nous sommes bien contents là, et HLF. Sponsor ça ensemble avec CTF, Progressive Community Center, FDC. Tout le monde nous dit merci d'avoir décidé pour aider la communauté. Donc c'est un grand plaisir pour nous, pour nous dire nous faisons un bel event et nous comptons nous être tous membres et chapter et HLF là-bas ici. C'est un grand plaisir pour moi après-midi pour me dire nous tous merci. Bon. Et n'a dit c'est pas 6 millions seulement chapitre Brooklyn n'a pas 4 monde là-dedans charge avec monde nous avons l'autre membre là encore qui très active nous va le passer pour dire nous justement qui ça pousse pour nous faire gros travail ça avec communauté Brooklyn là. Bon, nous disons tout le monde qui a pu regarder, bonsoir. Bien content que nous ayons chance de participer dans ce event. Ça, à côté que nous connaissons COVID-19 dans les mettant pile de monde par travail, il y a un pile de parents, on a un paquet de bagages pour lui. On plume, il y a un paquet de bagages pour lui. Même le 99 cents, il n'y a pas qu'à acheter. Donc, nous pensons que les télés font un gros travail pour lui aider les parents. Ça, et nous pensons que nous avons plus de matériel ça qui a là toujours. Nous avons des gens qui viennent prendre toujours. Et nous t'aimons l'autre fois encore, nous faisons même event. Ça, à côté que le grand problème dans la communauté, les télés campé pour lui, pas parler seulement, mais pour faire action, Jean et télés. Beautiful. HLF c'est Haitian Leadership Forum. Nous avons plusieurs chapters. Nous avons Spring Valley, New Jersey, New York. Et nous avons la coupe Brooklyn Kounia là. Nous avons l'autre infirmière justement qui est là avec nous. Son membre qui est très active dans le mouvement ça. Nous allons passer pour dire exactement qui ça pousse pour nous mettre gros activité ça dans la coupe Brooklyn. Allô, bonjour tout le monde. Je salue les téléspectateurs Haïti première classe qui suivent. Okay? Comme nous connaissons déjà, nous sommes Marie-Alice Voltaire. Raison qui fait que nous avons fait l'event ça aujourd'hui, hein? Comme je t'ai annoncé dernière fois, je dis comme ça que nous avons d'autres events que nous avons fait. Jeudi samedi, hein, nous trouvons que nous était nécessaire pour nous faire back to school distribution. Côté que nous avons cahiers, plumes, crayons, et you know, school supplies qui est inclus dans le bagage. Et puis chaque monde ça recevoir un masque de HLF qui inclut dans bag là. Comme Mme Belotso dit, nous connaissons que ce n'est pas facile. Les gens doivent penser que, well, so on cahier, on crayon, qui ça signifie, mais peu de monde qui n'est pas capable de faire pour le gain, non. Je pense que c'est un grand
en chose que la pied pour lui-même. Et puis moun yo passé, nous bay parents, même le petit moun yo pas là, nous bay parents qui va porter la caillou pour petit moun yo. So nous content que bagaille très bien passé. Et puis HLF a bien d'autres activités qui a fait tout autour de fin d'année et puis dans les années à venir. Bon, HLF nous connaît déjà, nous avons plusieurs chapitres. Nous avons Marlène qui sont juste à Clan Kansi, justement qui vient de Bourad. Et avec le chapitre Brooklyn là, pas oublier, c'est juste à Clan Kansi qui sorti parce que HLF sont seuls là, même si nous sommes à New Jersey, Connecticut. Dans Brooklyn, sont seuls à nous parce que nous avons un seul objectif. Mais Malène là avec nous et n'a m'a demandé Malène qui ça pousse le venir là, même par bourade dans travail qu'a fait là. Merci monsieur Thomas. Il y a une raison qui fait moi venir là aujourd'hui hein. C'est la même faute. OK. C'est la même faute parce que comme HLF, c'est un seul nous hein. Nous avons plusieurs chapitres, Oakland, New Jersey, Connecticut et Brooklyn. Moi-même, je suis sorti Oakland parce que je juge nécessaire pour nous tous capables ensemble, pour nous motiver en population en termes de précautions à prendre, pour nous capables de protéger tête nous contre COVID-19. Jusqu'à ce que COVID-19 disparaisse, nous connaissons des mesures de précaution à prendre, telles que en social distancing, quand on l'a demandé, un face covering. Une activité qu'on a fait aujourd'hui, c'est distribuer des masques ensemble avec des outils de scolaire pour nous capables d'aider les parents avec tout le monde. Mais c'est surtout le rassemblement, c'est motiver la communauté hein, pour lui toujours protéger la tête, protéger la famille et protéger l'autre monde qui est à côté. Merci. Alors nous comprenons que HLF, ce n'est pas parler seulement, on a parlé, ce n'est pas réunion seulement qu'on a fait, mais il y a une action tout qu'on a posée. On a tout profité de tout le monde qui a regardé le programme ce matin. Hein. Pas oublier. HLF, c'est pour vous, c'est pour nous. Nous invitons justement, relez-nous pour capable venir membre du mouvement, ça, son mouvement justement, qui est établi là dans la cour New York, New Jersey, Connecticut, pour aider la communauté haïtienne. Là. Et est-ce que nous avons l'autre infirmière encore, son membre actif du mouvement, et nous avons demandé, son monde qui habite très très loin, juste dans trop Long Island, si je ne me trompe pas. Et même là, gros samedi, vient de battre avec le mouvement ça. Qui sont pour nous maintenant? Bon, moi-même, non, moi c'est Idel. Et ça m'est capable de dire, moi remercier tout le monde qui a regardé là. OK? Et HLF apprécie nous toutes. Vous comprenez ça, M. Loss, nous te mettons ensemble pour nous faire une petite réunion ça là, pour nous aider aux communautés. Hein? Vous comprenez ça, M. Loss? Alors, ça que je suis capable de dire, conseil capable de dire, s'il vous plaît, en pile sécurité pour les gens qui gagnent pour retourner à l'école. Okay? Apprendre les gens, c'est pour laver les mains, pour quimber les masques, leur arriver à l'école. Vous comprenez ça, M. Loss, parce que ça est très, très important. Très, très important. Et puis encore, ça m'est capable de dire, nous souhaitons que pour les gens passent une bonne année scolaire 2020-2021. Malgré 2020, il n'y a pas porté belle bagaille pour nous, mais quand même, nous là, nous vivons, nous respirons, nous vivons toujours. Alors, nous supposons dire merci, bon Dieu. Alors, nous souhaitons nous une bonne année scolaire. Merci. Bon. Et tout le monde qui a regardé là, tout ces membres HLF qui sont dans la cour Brooklyn. Et c'est pas ni de ni toi, nous chargeons avec les gens dans Brooklyn qui sont HLF. Nous avons l'autre femme 20 ans. Et qui là, depuis le mouvement commencé là avec nous, on a tant de lits. Qui est-ce que nous avons là matin là? Eh bien, je suis venu la dernière fois, c'est Mass Asian Leadership Forum qui a distribué. C'était un bon bagage, qui a montré à mon yo, qui j'en pu utiliser Mass là, qui j'en pu laver mes yo, et tout j'en pu servir les aboutir Mass là. Et puis, deuxième fois, nous venons annoncer un autre programme qu'on a fait, qu'on a fait. Get back to school, qui est très important. Non seulement vous avez massio, mais vous avez matériel pour les gens qui sont entrés à l'école. So, nous comptons pile parce que nous, ce n'est pas seulement nous faire meeting, mais nous participer dans la communauté pour nous utiliser la communauté. Je pense que c'est deux vies à même. Et Asian Leadership Forum bien. Et de temps en temps, nous continuons à faire ça et nous pensons que c'est plus grandiose encore. Je dis merci pour ça. Ok. Maintenant, avant nous clôturer, si nous avons donné parole, avant nous finir, comment chapitre ça? Oui, en tant que président chapitre, je suis bien content parce que moi, tout le monde sur Long Island, New Jersey,
Raccoon Spring Valley qui vient supporter nous. Nous bien content, nous dit tout membre HLF yo. Nous bien content support yo, nous dit merci beaucoup. Nous et HLF c'est action la paix, c'est pas seulement parler en paix. Merci beaucoup. Bon. Et n'a profité pour nous dire tout le monde qui a regardé et activité ça qu'a fait là dans la Coupe Brooklyn et dans jour qu'a vinn là yo nous connais nous grand pile compatriotes haïtiens qui mouri en pile haïtien mouri dans Covid 19 et en tellement monde ça au fait nous connais pas grand pile monde justement qui assistait dans enterrement à cause de et distance que le gouvernement établi. Moun pa kapab réuni justement pour bailler un dernier mot avec Frenz Chenou qui mouri dans Covid 19. Et HLF gen pour l'organiser très bientôt un gros service mémorial à toute Frenz, toute Chen haïtien dans Tri-State qui mouri et mes amis pas de gain temps paraître pour bailler pour une dernière parole ensemble avec yo. Même famille justement pas de gain chance pour te réunir pour dire une dernière parole avec moun sa qui mouri. Et maintenant, jou k ap vinn la yo, très bientôt, nous avons organisé un service mémorial en façon pour nous mémoriser mémoire toute frère, toute soeur nous qui mourit dans Covid 19. Je connais si tout membre classé nous donne pas l'autre à midi parce que faut que nous allions. Membership drive. Bon, pas parler sur mais allez. Oui, bon, nous avons invité le grand public. Nous, HLF, pour le faire membership drive, côté que nous allons faire enregistrement des membres. Si vous avez un monde qui t'a fait membre HLF, nous devons contacter nous dans www.hlf.org. Côté que nous avons une application online avec les détails, nous devons lire et puis si vous êtes intéressé pour venir membre, vous pouvez faire membre. Très prochainement, nous allons mettre information ça yo sur le website nous, côté que si vous êtes intéressé, vous voulez faire partie de grande famille ça, vous devons venir faire membre HLF. Nous avons vraiment apprécié que nous gagnions ensemble avec nous. Merci. Ok, bon, je vous dis un dernier mot, pour remercier tout le monde. Ah, bon. Nous avons remercié tous les sponsors, spécialement CTF, Progressive Community Center, FDC, quel que soit Dr. Alette, Martine, nous sommes toujours là pour aider nous supporter et nous disons un grand merci à tout le monde qui aide nous. Merci, c'est un grand plaisir encore pour nous être ensemble avec nous et c'est un succès lié à l'event après-midi. Donc nous souhaitons nous dire tout le monde qui a regardé Haïti Première Classe, merci. This is Assemblywoman Diana Richardson representing the 43rd Assembly District. And I watch Haïti Première Classe. Chak Demash, Kemedu. Et nous, aujourd'hui, c'est 13 septembre, parce que moi, c'est septembre, non? Nous étions mois d'octobre, là, 3 novembre, élection. Et ça, chiffre, dit, et en fait, professeur. Ok, nous saluons tout le monde qui est branché dimanche matin. Ensuite, ça, on connaît toujours les gens pour la société mathématique avec tout le bagaille. Sauf que les mathématiques, c'est la base de toutes choses, même si c'est business, c'est économie, c'est pas de soi fait. Mais que nous faisons mathématiques là sous votre équipe. Après l'élection, avec jeu, avec chiffre. Ça, j'ai dit. Ça, chiffre dit, nous avons un changement dans la semaine. Nous ne pouvons pas continuer à dire rien pour le faire avec quelques déclarations que Trump a fait ou changer de faire de vérification. Qui elle t'a utilisé mot sac pour te décroyer. Vieux mot, hein? Vieux mot. Donc, quand il y a là, nous voyons que il y a un changement dans ma place. Nous avons 10 blue statues avec 10 red statues. Son bagaille qui a fait la une pour semaine. Donc, so, Texas, nous voyons que c'est le plus gros state que les républicains ont gagné avec l'électoral vote. C'est sous les mêmes républicains qui ont toujours rely pour faire la différence parce que votre électoral dans 10 blue statues. 10 blue statue qui arrive plus haute parce qu'il y a plus séparé les populations qu'on est à la côté électorale. On a chaque state deux électorales plus deux sénateurs. Ensuite, pour chaque congressman ou même bien, on va additionner l'électorale. Pour un state de Californie, il y a 10 blue statues. Professeur Salvador, on nous peut dire qu'il y a un chiffre. Si nous avons compté, nous avons un chiffre dans blue state, red state, combien de blue qu'on y a dans le moment où on a parlé là? Pendant qu'on a parlé, on a connu à la 115. Ce monde qui a demandé, côté 115 électoraux, ça a sorti, on prend Californie, qui a gagné 55 électoraux. Ensuite, on prend New York, on sait qu'il y a 80% de probabilité à ce que l'on dit blue state, c'est-à-dire que l'on a levé 4 novembre, on a une probabilité à 80%
que ou après que highly une probabilité que state de New York a voté démocrate. Cela fait 54, 55.29. Ensuite, sous viré sous Massachusetts qui ont dit blue state, tout ça fait 11 qu'on additionné sur 84 là. Et là, pour 95 électoraux. Ensuite, là, une state again qui est deep blue state. Just talk with the microphone here. Deep blue state, t'as quoi? Alors, pour Vermont, ou pour Delaware, Maryland. Nous, Maryland, still avec 10 électoraux vote. Ensuite, pour Washington DC qui n'est pas un state. That's the nation capital, but it still gain 3 electoral votes qui allocated dans la ville. Donc, en tout combien qui blue? L'ordre du soleil, by 115. 115, mais en fait, vice président, on n'a pas les 10 blues, c'est-à-dire que state qui gagne 40% de probabilité qui est démocrate là bien. C'est ça que les 10 blues. On l'a blue state. 115 en attendant. En attendant. Ce qu'on y a l'enviré sur républicain, ça n'est pas 10 blues state. 10 blues state additionné à 63. On m'a demandé d'écouter 63 à sortir. Ensuite, ça qui passe, que les républicains absorbent actuellement sur ma place parce qu'on est au Rice, sur Texas, qui vient de nom Queen Flap. Dernier, on va me souhaiter pour mon plus gauche pour les républicains. Il semble perdu. Exactement, il était 77, semaine passée. Il descend à 63. L'a additionné toute Red State, il était 77, semaine passée, actuellement, qu'on est à 63. Wow. So, changement qui gagne, c'est ça que les light, gain light blue state, gain light red state, soit prendre tout deep red state. Yo. Non, mais ok, un bon chiffre. T'as dit démocrate, hein? Pour Blue State, là, ou dit 115, ou dit 63. Non, ça veut dire que le président Joe Biden a besoin de pile cob dans l'élection. Qui est un cob là? Nous voyons que le président Trump a fait une déclaration pour ce moment-là, côté deal dépenser 100 millions de dollars de poche-li pour faire l'élection. Vas-y, cob lui-même. Nous voyons que, well, ça, Trump dit, c'est pour moi qui fait sens. Et même si on a un business, on soit dépenser dans le business, il faut garder ça qui a très tôt. So, let's assume que ça le dit assez, oui. Bal benefit de the doubt. That, in fact, dépenser 100 000 dollars en poche. 100 millions de dollars, ça le dit à l'empoche. L'empoche, mais pas jamais parler que combien le recevoir, parce qu'il y a un pile dans le Midwestern State, là, qui est côté de la pile support, qu'on est en bon base qui te reste. Vous n'avez pas un chiffre que dit combien le recevoir? Il n'y a pas un chiffre, but il dit qu'on sait que, il semblait que l'État recevoir presque 99 millions. C'est-à-dire que c'est sacré codé, nous pas consacrer les private donations. Parce que c'est sacré anonymous, c'est monde qui pas anonyme, qui pas en donation, mais qui pas vrai que monde non meneur. Parce que monde qui a caché, qui a supporté Trump, il y a des gens qui ont des businessmen, et il y a des compagnies parce qu'ils ont affecté des business compagnons, il y a des gens qui ont des gens qui ont supporté Trump. Mais selon sacré les unconfirmed report, 100 millions de dollars, à peine s'il a dépensé 3 millions de dollars, on ne parle pas parce qu'il vient parce que le 95 a donc, même moi, compte des cobs que théoriquement, on pensait que M. Joué. Et du côté de vice-président Biden, combien de cobs M. Joué, combien de cobs? Bon, Biden, que qu'on y a assemblé que à cause que reste la tête et à cause que gaffe que chaque semaine, nous connaissons un qui passait, la France et le gaffe, que qu'on y a démocrate l'antigen, base démocrate la motivée puis retirer Trump. So, c'est-à-dire que là, là c'est certainement pas de garder les chiffres. Même si moi, passé aux environs de 17 août, je vais garder les derniers reports là. Moi, je vois que lui-même, il est aux environs parce que 215 millions de dollars. Vous voulez dire que vice-président, c'est plus cop que président? Yeah, parce que non, ils sont site président. Vice-président, il y a plus de momentum à cause que démocrate la base la motivée parce qu'on a plus de démocrates que républicains. Les démocrates sont les démocrates gagnent parce qu'on a majorité. So, qu'on y a la cause que tout support avec motivation qui nous paraît après qu'on y a venu plus que. Parce que les gens qui disent carrément, ce n'est pas Biden qui aurait aimé. Ils ont checké Biden pour qu'il retire Trump. C'est-à-dire, ils ont checké Biden pour retirer Trump. So, c'est-à-dire que la base démocrate là, ni indépendant, motivé pour retirer Trump. Ok, now, si nous regardons, ou dit 115 et 7 qui disent démocrate, il y a 63. Ou Biden, Biden gagne plus cop que monsieur, donc qui chance mieux gagne pour l'arrivée de la situation d'ici novembre? Well, c'est ça qui se trouve dans le swing state. Parce que quand on a tout le monde, regardez que la Floride sont 50-50, sont qu'une flip-lier. Ok. Texas, que les républicains ont touché à ce livre, très là, dans le passé, ils sont again en qu'une flip. Wow. 50-50. So, c'est-à-dire que les gens ont un problème avec les républicains, et tandis que Paul Sims, tout favorit Biden. Tout le monde. Sims, je vais dire Texas, il perd l'élection. Very likely, ou une high probability. Mais qui j'aime de ta capé du Texas? Parce que Red State, Red State, tu as 5 digits. L'op gade right now, Republican a gon 1 state qui double digit, qui Red State, qui deep Red State, c'est Tennessee, qui avec 11 electoral votes. Après l'op, on North Dakota, Iowa, Monkey, Arkansas,
Alaska, tout ça qui est nouveau républicain dans le passé, state là c'est 5 digits que rien. Ce 5 digits que je pas additionné avec le plan state de Californie qui gagne 55, New York qui gagne 29, Massachusetts qui gagne 11, Maryland qui gagne 10. Sur tout blue state là et blue state, il y a un double digit, tandis que le state qui est républicain, la majorité là c'est 5 digits. Des bouffins qui étaient Missouri, Tennessee qui gagne double digit, après l'Opel et North Dakota, South Dakota, Wyoming, Montana, Arkansas, Alaska, toutes ces 5 digits. Et so, républicain a besoin de son swing state. So, Ohio, Florida, Illinois, Pennsylvania, Texas, républicain a fait liste de 3 dans cette état. Non, mais qui peut parler de gain pour le joindre, ça, ou penser le besoin? Well, actuellement, si vous regardez la map là, vous prenez tout 10 blue states là, vous gain right now, vous marchez avec un 65-35 probabilité. Vous mettez plus que, si vous avez de 60-40% probabilité. Mais quand il y a ma montée là, 65-35%. Vous avez dit que Joe Biden a 65% de probabilité. 35%. Monsieur contre 35%. Basé sur Deep Red, Deep Blue, quand il y a ces coin flip là, c'est sur Florida, Ohio, Pennsylvania, avec Illinois qui sacré les swing state, battleground state, la républicain sorti. Quand il y a cause que Texas, qui still sacré le problème avec les républicains, parce que à cause que Texas t'a supposé, lors de la prochaine élection, deux mois d'élection, t'a supposé at least light red. On lightweight state, mais still sacré long coin flip, 50-50. Wow. Donc, et professeur, nous, l'éclair 65-35, c'est 65 pour Joe Biden. Et polio, tout. Polio seems to suggest que dans 79 polls qui me gardent, parce qu'il y a un pile poll. Soit pour un top 5 polio, pour un average, la donne. C'est 3 polls seulement dans 79 polls qui supportent Trump. Qui montrent Trump à polio. Yeah, so c'est Emerson poll, then again USA Today poll. Avec Rasmussen qui sait où est public en faute, c'est au cas de supporter Trump, c'est l'équipe prédicte que Blanc a gagné l'élection. Sur la base, je dis, en 79, pour lui, c'est toi pour lui, c'est Emerson, USA Today, avec Rasmussen, Paul. Avec tout l'autre, tout Biden. Tout l'autre, c'est Biden. At least, il y a un average, parce que moi, je dis ça que les mathématiciens, Paul, qu'on prend top 5 poll qui est accurate over the last 5 years, l'autre, on connaît bien à l'université. Kone piyak se sakre lo noutro poll. Li pa ni demokrat ni republikan, li pa la yon li a solo, pran Washington Post, ou pran Rasmussen, ou pran Emerson, ensuite, ou pran USA Today, and then ou pran New York Times, ki sakre li post ki la yon boyo, ou divize li bam sakre lo 6.9 average ke Biden a played, so very sure, and it nearest a whole number, that is a 7-point lead. Now, si nou bezon plus de detay, an kapte radio apita, kade ven jpose ke fem, pou nou kapab tende, en fait, professeur James Salvador, nan plus de detay. Nou konen atre. Ah, ou gen konen, ban, sa gen an konen. You always swing over there, like, well, sa kap fè la yon, se kesyon de kolej yo kouve pou soumen za, e gen pil kolej, gen kolej kap referme, ansuit, ki ba la telman terrible an kolej ken pou sa ke, John Hopkins University avec CDC a additionné une colonne au tableau pour keep track of what's going on with the data avec collège. Que nous voyons que on y a des states qui ont state collège qui étaient ouverts comme j'ai fermé à cause que la pandémie l'anglais on lève qui vient avec un staff qui commence à expandre on y a un tableau fermé. Ensuite nous avons collège de North Carolina, nous avons Ohio. Tout collège ça a affecté bien trois l'école là. Comment on dit que collège North Carolina, moi que occidental North Carolina, c'est maintenant puis moi mon ne pas tellement mes démas. Ouais, au point même là, ouais, Iowa actuellement qu'on y a gain the highest infection rate. Donc tout même les New York tap monté, il y a 15%. Pour chaque 100 monde testé, il y a 15 monde qui ont coronavirus ça. Au gain c'était ta côte North Dakota, South Dakota qui ont infection rate de 18 à 19% pour chaque 100 monde y a testé, il y a 18-19 points, tandis que New York reste en 1%. So, yon atribuye la vek kolej ken pou se gen ouve a. Est-ce qu'on pense se pou New York louvri kolej normalman, jan de yon va? Well, li montre yon an problem lan tout kolej ki riva, se se nan 2 semen, yon pou pou kari li gwan data pou fon atribuye, pou kon exactement si se kolej yon gouvek fè stifi ap monte. Nan Midwestern set, yon atribuye la vek ou motocycle incident ki te gen kote yon te fon manif, se ta se kote te gen pil bike ki te sorti. Ensuite, avec un pile collège qui est dans le Midwestern Setio qui est ouvert, c'est ça qui arrive. Mais c'est ça, il faut attendre au moins, at least, dans la fin mois de septembre pour que tu aies un chiffre. Parce qu'actuellement, Johns Hopkins University, ensemble avec CDC, continue à track down collège qui est possible. Mais c'est problématique right now. Quantité de 1000 morts que nous expectons d'ici la fin de l'année? La fin de l'année, selon le PIA qui est c'est de IHME Madola. IHME Madola a prédit 410 000. Le 1er janvier. Wow. But it's very likely, parce que si vous regardez qu'on n'a pas approché de 190 000 morts, on n'a pas approché de 200 000, très soon. Si vous prenez, comme je vous prenez pour fin mois là, vous regardez pour, soit prenez 3 mois, ou aux environs 90, ou additionnez bébé, ou l'autre 14 jours. So, si vous environ 210 jours prenez pour année, vous avez un average de 1 000 morts par jour.
ou gen yon ka de 40,000 à 45,000 confirmation case on average par jour, ou gen 1,000 mois. Soit additionnel, t'as 110,000. Soit 110,000 là, ou additionnel, l'on bien gade pour la fin by décembre, nous supposé approcher at least 300 and change, approcher 400,000. Wow. So by 1er janvier, 410,000 là, c'est very likely. Now, plus de détails, Peter, quand vous avez fait avec le professeur, on peut rappeler que si vous avez besoin de check-up, relé ou affiné associé, 609-445-426, professeur Salvador. Merci. À la prochaine. À bon dimanche. À tout. Service Antibi fait bail dans Spring Valley permet la IT call. Priorité de satisfaction client qui a choisi ça ou vle dans mes poches. Brio poisson, toute qualité. Yon ouvre 7 sur 7. 10h du matin, 10h du soir. 248 8 9 West Aveso, New York. 288 9 Main Street, Spring Valley, New York. 1053 Flatbush Avenue, Brooklyn. 347 425 88 74. Accordia Shipping, kon ki jon sensible pour véhicule, quel te camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit jeep, c'est la gueule. Qu'est posé? Non mais Accordia Shipping, et puis nos badges l'ap déposé dans Port Saint-Marc la boue. Adresse nous si ou dans New Jersey 150 Moss Street, Newark, quel que soit state ou ap vive dans 201 993 57 23. Ruffin and Associates mettait sous pied une clinique qui examine à distance pendant la caillou. Consultation, exécution, prescription, transportation dans laboratoire pour test en 10 services complets. 609 445 49 26. On vive en bonne santé grâce à Ruffin et Associates. Avec vous maintenant, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Terminé, je nous dis là, pour nous aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que professeur nous, mon frère Edouard, les jeunes justice, jusqu'à ce que tout, mon Belé, mon La Saline, mon Cité Soleil, mon Grand Ravine, tout le monde qui tombe en bas machine et sécurité qui a roulé sur toute route en pays, nous connaissons machine et sécurité ça, ligue la donne, gaz à clouer l'impunité, ligue à bol des mouns sans foi ni loi, cap cabal la vie moun. Eh bien nous-mêmes, je dis à nous-mêmes, comme étudiants faculté de droit, nous campons sous deux pieds nous pour nous demander justice, justice pour tout le monde qui tombe en bas pays. Continuez.
qui fait tout tout. Dis-nous qui ça ça dit. Révocation pas fait peur. Parce que me doit moi digne de nom. Moi fait 11 ans servir institution pendant une fois, moi pourquoi une section générale pour me subir une section quelconque. Mais je dis révocation non, si vous révocation pour faire mini justice, assez mini justice, Lutman Delim après t'a traité policier de gang, de terroriste et même t'a répondu. Eh bien oui, n'abre Lutman Delim, c'est lui qui frère terroriste là. Nami Ramo, yo tire sous sous, yo achète figu, yo messe. Eh bien je dis à nous dit nous, Nami Ramo pas qu'à notre tête là ça encore. Oui, ma policier, Nami Ramo pas là et m'a fait retour, m'a tout les institutions sans Nami Ramo, sans UCC, sans DCA, sans DCPA. Nous pas de côté pour nous dormir, policier pas de logement social pour nous, commissariat est sale. C'est ça qui fait que nous obligés pour la rue. En plus, le policier mourit. Et moi-même, lundi, j'ai LDR, coordonnateur général SPNH, nous étions quoi que si nous prenons la rue aujourd'hui, puis devant, et nous-mêmes, nous sommes tombés. Nous obligés de sortir pour nous revendiquer, pour nous freiner, machine insécurité. À nous, mes têtes ensemble. Pour Haïti, non, non, toutes ancêtres. Mais comment ça, il faut nous dire. Yo, doit fait et y a fait pour que le pays a une bonne sécurité, pour que le monde apprenne à lire ce qui écrit dans le pays, pour que entre haïtiens nous entendons nous pour nous dire mais qui route nous voulons prendre avec le pays. Même Jean moi me dit mettez courant dans le pays pas qu'un luxe, son obligation qu'il y a, son nécessité. Ou même qu'a venu pour venir diriger le pays, dans moi qu'a venu, dans l'année qu'a venu. Ou que nous avons tout, ou dit que c'est éducation seulement. À ce moment-là, tout le monde est pour camper avec vous. Parce que tout le monde connaît qui sa éducation vaut pour un peuple. C'est pour nous dire que la bataille entre haïtiens, lutte ça, que nous avons mené depuis 1806, je dirais, nous pays à bouquet. Moi-même, comme président, chef de l'État, m'a dit nous aujourd'hui, moi fatigué avec lui, abgouma avec propre haïtien pareil moi. C'est du jour dire, nous revenons au moment côté les petits intérêts, les petits avantages, les petits arrangements, tant ça faut les révolu. Pour nous venir avec mon temps, côté ces collectivités, ces peuples, ces nations, c'est tout ça n'a bien pour nous faire cap bon pour pays. Ensemble, c'est lui-même pour nous mettre main, pour nous oublier intérêt personnel nous. Intérêt parti politique, pao. Intérêt groupe, pao. Intérêt clan, pao. Pour nous mettre main, parce que bagayo, moi qui dis nous ça, yo grave en ville. Yo grave, parce que division ça, les gamins et nous, non trou, nous ne pas qu'à sauter là-dedans. Donc, dans ce sens, nous encourager les gens qui sont déjà sensibilisés pour nous quimper, flambeau, mobilisation, ça bien haut. Et les gens qui sont conscients que manipulation, instrumentalisation, système éducatif là, pour mettre sous côté, puis fort petit pays, c'est un gros danger qui plane sous tête. Nous inviter tous les citoyens dans le pays pour prendre conscience que nous ne pouvons pas continuer. Quitter terrain by moun qui dit que c'est yo qui siyen Dessalines Christophe, c'est yo qui petit héros qui te prend l'indépendance, côté que yo prend pour yo même tout moyen que pays a ka offri pour petit li ouais bien-être avec la vie fleurie. Donc dans ce sens nous encourager tout citoyen pour te coller dans bataille pour nous gagner une seule école pour tout le monde, parce que nous croyons c'est là qu'on a commencé société qui est capable d'offrir bien-être à la vie à tout citoyen. Gagner et information qui laisse croire que il y a joué 6 mètres là dans mais on certain de Makende bon dans poche li et qui sont capables de nous sur ça. Et deuxièmement, gagner un collègue avocat qui dit que il a localisé téléphone de Doval dans parler national. Troisièmement, gagner information qui fait quoi? Client qui est dans ce pays, pour ce de pression. Et vous t'a même voyé. Est-ce que vous avez une question dans l'autre? Sous question, mettre le téléphone de Doval. SIM. Je dis que j'ai une SIM dans la poche. Il y a un monde qui a arrêté. On s'est donné Makende. Et Makende a dit. Léon Finjoni, c'est aussi une dame qui a le téléphone. Et puis,
DCPJ fossile mène une copine qui devant le téléphone là et puis un signe dans la poche monsieur ça. Et deuxièmement, il y a un avocat aussi, c'est M. Kidi Paul Fleurant qui dit que il a localisé le téléphone de M. Doval dans le palais national. Et puis il y a une information qui laisse croire que l'enquêteur de CPJ va recevoir pile menace dans le palais national. Et sous base ça, il y a même contacté des organisations de défense des droits humains, dont RNDDH et Fondation des éclairés. Ils ont mis au courant si toutefois que vous avez un problème. La menace est au cas où il y a qui sont cadres. Si on contact avec DCBJ, est-ce qu'il faut état de menace? Bon, toi, ajouter, c'est toujours sur téléphone, non, puisque c'est j'ai dit comme ça que lui-même n'est pas trop externe en photo qui a circulé les premières photos. Tout à l'heure, on connaît qui est la première photo qui a circulé côté bien avec Vesla, avec ça. Est-ce que nous avons une idée des premiers monde qui prend photo ça et qui détaille, il est capable de bailler tout, puisque nous-mêmes nous sommes capables de Non, mais vous me posez une question à laquelle il m'est impossible de répondre. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Ça, bah comment répondre ça? Oui. Menace. Menace en fait d'aller CBJ à vous voir dans mes palais national. Et le fait que vous peur, vous déjà informé les humains, un DDH éclairé. Et sous ça, et si tout font barrette arriver, comment contact permanent avec le CPJ, est-ce que vous faites état de menace? Bon, et je rappelle que ce soit au niveau de la DCPJ, que ce soit au niveau du parquet, nous pouvons jamais révéler l'identité de monde qui nous amène. Et au moment opportun, nous avons fait ça. Et tout le monde a connu qui monde et qui a travaillé et ça qui passe. Donc, pour question SIM, que vous avez. Joindre entre bon, en fait question entre les mains de certains McKinley, nous dit nous préciser que il y a trois monde, il y a trois personnes interpellées et il y a là nous joindre téléphone mettre portable et téléphone portable mettre Dorval et Simna Namel. Et ensuite pour localisation et Simna que M. Eddy Paul Fleurant bon, dit qu'il fait déclaration, nous le tous sur les réseaux sociaux. Je pense que celui qui avance un fait doit le prouver. Donc c'est une règle impérative. Donc au moment opportun, il va gagner des explications pour le bail sur ça parce que ce soit des CPJ ou bien moi-même, nous pouvons rendre public résultat enquête. Et nous travaillons sous lui. Et seule garantie qu'une cabaye toute population, hein, c'est que mettre Montferrier d'Orval qui est un symbole. Donc il faut qu'enquête là avance et quel que soit le monde qui est impliqué, il faut arriver sur lui. Donc pour menace qu'on dit enquêteur à recevoir, donc même pas au courant de ça. Donc c'est eux qui ne sont pas au courant de ça du tout. Francis est un conseiller financier offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Héron, 2174 Booking New York, téléphone 718-434-5125. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAFRO 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Miguel Restaurant & Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repasse et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Rosberry, 516-338-4933. Ici, mesdames, messieurs, pour enfin cette édition Première Classe, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée, Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973-568-7447 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de ce programme, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment nos éditeurs Eddy André Nicolas Surata. Nos caméramans Joseph Rosarion, Prince des Forges et Wilkins d'Haïti. Nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Desbailleurs Cissé de Franchal, sous la direction de l'ingénieur Nel Sony Pierre-Louis.
Nous vous rappelons ce matin, à partir de 11h, vous avez rendez-vous avec le bon Dieu chez Miguel, à chez Miguel Long Island. Et ce soir, à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti Première Classe. Bon dimanche.